Genre, ça vous arrive jamais à vous d'être à la bourre? Oh, ça va. Salut Tom et Tom. Bon, on y va? On y va. On y va? On y va! Bonjour! Bonjour, les amis! Comment ça va? Salut Tom! Tom, panique pas, tout va bien! Bonjour à tous, les amis, bienvenue sur ce petit live quotidien. C'est tous les midis à partir de 11h45 normalement, mais là aujourd'hui, c'est jeudi, je suis à la bourre. Voilà. C'est traditionnel. C'est une tradition. C'est important, les traditions. Go, go, go! Salut Tom et bonjour à tous. Bienvenue sur ce live quotidien. Donc, pour parler ensemble de l'actualité du web et du digital, pour réfléchir à tous ces sujets-là, pour les passer en revue et pour faire des tests. Hier, on a fait un super test. Oh, qu'est-ce que j'ai bien aimé découvrir. Alors, faut pas que je me gourre. Découvrir Firefly Image 2. On devrait dire Adobe Firefly Image 2. C'était bien ce truc-là, Challenger de Midjourney pour générer des images, des visuels et tout ça. Et c'était cool. C'était vraiment très très bien. Et aujourd'hui, on va refaire des tests encore sur autre chose encore. Ah oui, sur ChatGPT, je vous l'ai un petit peu montré. Je vous ai montré que j'avais accès aux fonctionnalités magiques nouvelles de ChatGPT Vision. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est où? Ça se trouve où? Sur un téléphone? Sur un PC? C'est où? C'est quoi? Ça sert à quoi? On va voir ça ensemble, les amis. On va tester ce petit truc-là. Bonjour Ezra. Comment ça va, Ezra? Sur Twitch. Bonjour Vincent. Sur LinkedIn, ce coup-ci. Tu as tiré la chasse, j'espère, de quoi? Qu'est-ce que c'est, Stick? Ouais. Bon, Tom, petit message personnel. Tom, panique pas. On va pas faire un truc demain en visio, tout ça, machin. Je t'appelle dès que je peux. Là, c'est la guerre hier. Non, pardon. Je devrais pas dire ce mot-là, non, oui, c'était la guerre hier, oui, bon, mais je veux dire, moi, j'étais un petit peu overbooké hier, ce matin, pareil, cet après-midi, ça risque d'être la même chose. Bon, les amis, t'inquiète, Tom, on s'en parle à zap de tout ça, et on essaye de mettre ça en plat-place, à son pépère, la plat-place à son pépère. Bonjour à tous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux, ceux de votre choix. Vous êtes en train de vous dire, si vous nous découvrez aujourd'hui, que ce format est un petit peu bizarre, ceci est un stream, ceci est un live, je suis en live avec vous, il est 11h54, j'ai pas les secondes, normalement je dois vous donner les secondes pour vous montrer qu'on est exactement tout ça en live. Nous sommes le 12 octobre, c'est jeudi, le jour que je ne peux pas piffrer, mais heureusement je suis avec vous, et on va parler ensemble de l'actu du web, du digital, on en discute, on fait des tests, on regarde des trucs, et vous, peinardos, vous consommez ça comme vous voulez, dans votre petit siège de bureau, dans vos petits fauteuils à la maison, sur votre chaise de cuisine, vous faites comme vous voulez. Alors c'est en live, alors je me gourde de côté, mais systématiquement, j'ai une chance sur deux normalement, c'est là. Twitch si vous voulez, YouTube pratique parce que YouTube live et également les replays, hein. Vous allez sur la chaîne YouTube, Renaud Barocco, vous me trouvez là-bas sur les réseaux. Vous activez les cloches, tout ça, machin, vous abonnez, et comme ça, vous pouvez consommer ces lives, bah, soit en live, soit en replay podcast vidéo, et vous pouvez également utiliser les petites diffusions YouTube pour aller choper exactement l'instant que vous voudriez découvrir dans les précédents lives. Vous voyez, par exemple, si vous dites, attends, quoi, il y a eu un test de Firefly Image 2, c'était quoi, bim, hop, un petit coup sur YouTube, et vous allez retrouver ça dans le live d'hier, et vous allez directement dans la petite barre chronométrée à l'endroit qui vous intéresse, c'est-à-dire le moment où on a fait ce test. Si c'est un autre sujet, vous cherchez un autre sujet. Non, vous débrouillez, vous êtes cool, vous faites comme vous voulez. Donc, Twitch, YouTube, LinkedIn également, les amis. Allez, s'il vous plaît, comme le fait Tom, j'ai l'impression, parce que Tom, il est à la fois sur LinkedIn et sur Twitch, alors que c'est une seule personne. Ils sont peut-être plusieurs dans sa tête, hein, remarquez. On n'est pas sûr, hein, mais bon. Donc, allez sur LinkedIn, les amis, relayez l'information, dire que ce live est en cours actuellement, partagez tout ça, commentez, likez, histoire de faire bouger un petit peu l'inquedin qui bouge le pot facilement. Et il faut dire ce qui est. TikTok également, vous pouvez trouver quelques contenus vidéo, mais je ne suis plus en live sur TikTok. Je vais revenir parce qu'il y a des petites nouveautés sur TikTok, dont je vais peut-être vous parler d'ailleurs aujourd'hui, sur Facebook Live, sur X, etc., etc. Le très controversé en ce moment X, je vais vous en parler aussi parce que ça fait partie de l'actu, les amis. Voilà pour les réseaux sociaux sur lesquels vous nous retrouvez. Qu'est-ce que je vous ai pas dit, le sommaire? Voilà, on parle ensemble de l'actu du web, donc je vous ai extrait ce que je juge être la partie intéressante de tout ce qu'il faut savoir sur le web, le digital, etc., etc.
pour votre vie perso à vous, pour votre vie professionnelle, pour savoir si telle ou telle nouveauté, elle vaut le coup dans votre business. Vous voyez, ça c'est intéressant. Bon, j'ai fait le tri, hop, et je vous en parle, on regarde ça ensemble et puis on essaie d'y réfléchir ensemble. On se dit, tiens, intéressant, pas intéressant, machin. Vos questions, ça vous n'hésitez pas, j'ai aujourd'hui encore trois questions en réserve, trois questions que vous m'avez posées en privé, les amis, vous pouvez le faire aussi, hein. Vous pouvez poser les questions en live, bien entendu, et vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux pour poser vos questions un petit peu comme ça, un petit peu en discrétion, et hop, je les traite en live, ces questions, sans dire de qui ça vient. Donc vous voyez, vous êtes peinard, vous êtes tranquille, balancez une question, hop. On la traitera pendant le live. Et bien sûr, vous interrompez ce live quand vous voulez pour poser vos questions là, maintenant, tout de suite. Voilà, ça sert à ça. Hein, les commentaires sont là et on voit tous les commentaires de tous les réseaux sociaux pour qu'on puisse se parler et échanger ensemble. On fait également démo et test, donc avec le fameux chat GPT Vision au menu du jour. Oui, on va aller le triturer un petit peu. Bon, j'ai un petit peu ouvert le paquet cadeau, voilà, pour un petit peu savoir où je mettais les pieds pour vous présenter tout ça, mais pas tant que ça. Donc on va faire des tests ensemble. Bon, j'ai l'impression qu'il y a... Bon, vous allez voir ça ensemble. Je pense qu'il y a des choses hyper top cool, hyper super, ça ne dit pas comme ça, des trucs absolument géniaux qui vont nous faire avancer, qui vont nous apporter plein de trucs. Il y a des trucs qui sont... peut-être un petit peu plus décevant. On va voir ça ensemble, on va regarder tout ça les amis, et comme ça vous saurez tout du nouveau ChatGPT Vision, futur du digital. C'est le quatrième item là dans ma petite liste. Effectivement, on essaye de se dire, bah il y a quoi demain, qu'est-ce qui se passe demain dans tout ce qui est web et digital qui va nous tomber sur la tronche et sur lequel il vaudrait mieux être préparé plutôt que de le subir. Bah on va voir ça les amis, et puis chill et nawak, surtout le jeudi. Pouh, le vendredi c'est pire. Mais on essaye de se laisser porter par le rythme du live. Donc on se cause, on échange, on raconte des blagounettes de temps en temps. Vous voyez, c'est très open ce format. Mais ça nous permet justement d'aborder très profondément des sujets très sérieux. Hein, le fait que ce soit un peu détendu comme ça, que je ne sois pas comme ça dans un format webinar, tac, 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 très cadré, machin, hein, à vous dire des PowerPoint, machin, qui datent de 3 mois. Vous voyez, là, ici, c'est libre. Donc on peut se dire, non, ça c'était vrai hier et c'est faux aujourd'hui, tiens, non, ça on se lâche un petit peu sur tel sujet, on peut se parler. Voilà, c'est du live, et c'est pour ça que j'aime bien ce format, c'est qu'on peut tout se dire, les amigos, et qu'il peut tout arriver dans ce live, voilà. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je lis vos commentaires. Ezra, coucou, Vincent, coucou, Tom, coucou. Je n'ai pas vu l'heure trop occupé à faire ta promo sur LinkedIn, Renaud. Ah bah, moi je prends, vas-y, à fond Vincent, c'est gentil, merci beaucoup. Ok, mais appelle-moi pour l'autre truc qui concerne Case et un partenariat éventuel avec une boîte de com qui veut te rencontrer. Bien entendu, Tom, je me suis prévu ça. Au milieu d'une pile, je vais te mettre en haut de la pile. Tu le mérites forcément beaucoup. Bah vas-y, lâche-toi sur moi. On se dit bonjour les Malinos. Exactement, on se dit bonjour les Malinos. Tiens, je me rends compte que j'ai pas allumé mon petit néon live là-haut. Comme si genre on n'était pas en live aujourd'hui. C'est vrai que je suis un petit peu éteint aujourd'hui, mais on va s'allumer les amis. Si c'est pas le néon, ce sera nous, et on va parler de tous ces sujets-là qui font l'actu, et on va tester ChatGPT. Vision, oui, c'est ça qu'on va faire. Alors, juste pour info, les amis, le jeudi, c'est le jour le plus calme. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, c'est là où il y a le moins de monde sur Twitch, c'est là où il y a le moins de monde sur LinkedIn, parce qu'il y a tous les webinars le jeudi midi, tout ça, machin. Donc, on est entre nous. Hein. Donc, si vous voulez qu'on se lâche, personne ne nous écoute. Pas tout à fait vrai. Non, on doit avoir, sur un jeudi, on doit avoir environ 250 viewers cumulés. Donc, vous voyez, c'est pas ouf, mais c'est déjà beaucoup. Donc, dites pas trop de bêtises non plus, quand même. Hein, bon, voilà. Donc faites venir d'autres personnes, notamment pour demain, où j'essaierai de faire un live particulièrement long sur Twitch, notamment. Donc je vais probablement faire une petite OP Twitch demain. C'est pas encore sûr, ça dépend, j'ai un planning de malade. Mais je vais essayer de faire mon possible pour ça. Ça pourrait être rigolo. Voilà, on fera des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est bon pour vous, on attaque avec une petite actu. Hein, on ouvre le bal avec une actu comme d'habitude. On fait souvent ça comme ça. Justement, je vais en profiter pour vous parler de TikTok, parce que je viens de vous en dire un petit mot comme ça dans ma petite introduction. Et je vous ai dit, je ne sais pas si vous l'avez noté, que nous n'étions plus en live sur TikTok. Je ne suis plus en live sur TikTok. Et j'ai eu une question cette semaine, là, avant-hier, je crois. Voilà, quelqu'un, l'un d'entre vous, m'a posé une question sur TikTok en disant, mais est-ce qu'on peut streamer? Est-ce qu'on peut faire du live avec un outil?
comme OBS que j'utilise, voilà, pour envoyer un flux vidéo pour faire du live sur TikTok. Et je vous avais dit, ben c'est chaud parce qu'il n'y a pas vraiment d'API, il faut un peu tricher, puis ça marche pas ouf, puis les formats sont pas les bons, machin. Bon, je vous avais parlé de ces trucs-là. Alors sachez qu'il y a des mouvements sur TikTok. Voilà. Alors autant je vous dis beaucoup de bien sur la partie qualité de développement d'un réseau social comme TikTok, comparé à Facebook qui est une dôme infâme, il y a des bugs partout. TikTok c'est super bien, ils ont un truc pour la partie professionnelle qui est vachement bien, il est nickel, un truc pour les publicités qui est nickel, TikTok ça marche nickel, bon en termes techniques je veux dire après. Voilà, je ne juge pas les contenus qui sont dessus. Et du coup, bah, j'étais un peu étonné, moi, que sur la partie, voyez, API, live, interaction avec d'autres outils, ils soient un petit peu à la ramasse. Les choses évoluent, du verbe évoler. Non, les choses évoluent, c'est mieux, c'est plus français comme ça. Puisque TikTok commence à nous faire des petites annonces, alors pour l'instant qui ne concernent pas le live, mais je sens bien... une bonne petite un bon petit parfum de ce truc qui va à mon avis arriver en live. Donc TikTok dévoile une fonction pour publier depuis des outils, c'est-à-dire que on a une API qui s'appelle Direct Post. Donc une API, hein, c'est un petit format d'échange de fichiers, c'est un petit canal entre deux applications pour discuter entre elles. Vous voyez, c'est un petit format particulier en termes de code, tout ça, machin, mais lui, il dit, ah bah tiens, j'ai une API qui est prête à recevoir des trucs, lui, il dit, ah tiens, j'ai une API, ça envoie des données, puis ils peuvent discuter ensemble, comme ça, bim, bim, en s'envoyant des fichiers. Je l'ai fait, je vous l'ai expliqué comme un enfant de 8 ans, hein, c'est un peu bizarre, mais vous avez compris, API, voilà, truc d'échange d'informations entre deux outils, deux logiciels, deux systèmes, voilà. Bon, eh bien... Aïe, TikTok s'y met, ou plutôt s'y remet, parce qu'ils avaient des trucs balbutiants qui étaient un peu foireux. Et maintenant, c'est cool, ça arrive, donc on va pouvoir avoir une API qui s'appelle Direct Post. C'est la première, voilà, mais il y en aura d'autres, à mon avis, vraiment, où on va pouvoir, bah, comme ici, dans Premiere Pro, par exemple, dire, bah tiens, je viens de créer une vidéo, allez, boum, tchoup, ça part direct sur TikTok, vous voyez, ou sur Twitch, ouais, on fait un petit extrait, et bah boum, dans Twitch, bah boum, hop, ça en fait un TikTok directement. Vous voyez, CapCut également, CapCut qui est, ben c'est un peu logique, il y a déjà une API avec CapCut. CapCut, c'est le logiciel de montage qui appartient au même groupe que TikTok. Voilà. Donc pareil, on fait un petit montage dans son CapCut et poum, hop, ça se publie directement dans TikTok. C'est cool. J'ai bon espoir que dans les semaines, peut-être mois à venir, ça se développe encore, les API TikTok, et peut-être à un moment, on pourra, moi, ici par exemple en live, avoir une petite API TikTok qui fait que boum, hop, on est publié en live sur TikTok, par exemple. Ouais. Et il y aura peut-être plein d'applications comme ça, ce qui peut être intéressant. Donc, encore une fois, hein, si je dois donner un input à cette petite information-là, qui est intéressante, mais c'est surtout la suite qui est intéressante, c'est de se dire que la suite de ça, c'est investissez TikTok. Les amis, si vous n'êtes pas aujourd'hui en train de publier régulièrement du contenu sur TikTok, bah, faut essayer, faut vous y mettre. Demain, tous les contenus, etc., vont pouvoir être poussés par plein de gens, par plein d'entreprises sur TikTok. Donc on arrête de penser que TikTok c'est fait que pour les mômes de 14 ans, ou 16, ou 18, machin. Bah, le truc c'est que ça augmente toutes les semaines, donc voilà. On s'y met dès maintenant, parce que ça peut être très utile en termes de visibilité, en termes de notoriété, également en termes de trafic, pour votre business en ligne, les amis. Donc allez, go TikTok, c'est peut-être ça ce qu'il faut retenir, les choses évoluent du côté de la petite plateforme. Vous me disiez quoi dans les commentaires? Et les jours d'affluence, on est combien? Bah écoutez, on a fait un petit record, je crois que c'était quand le record? Attendez, j'ai peur de vous dire une bêtise, Tom. Je crois qu'on a fait un record à pas loin de 400. Je crois que c'était vendredi, si je me trompe pas. Voilà, hier, par exemple, mercredi, on a fait un très bon score également. Je me demande si on n'a pas battu le record hier, d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Les gens aiment pas quand on est plus malin qu'eux, c'est marrant. Ah, je suis d'accord avec toi, Nicops. Tu viens de t'en rendre compte? T'es pas un perdreau de l'année, Nicops, tu viens de t'en rendre compte. Non, les gens n'aiment pas quand on est plus malin qu'eux. Absolument pas tous les gens. Mais malheureusement, beaucoup d'abrutis n'aiment pas quand ils discutent avec des gens qui sont moins abrutis qu'eux. Mais oui, c'est une nouveauté. Tu as une expérience douloureuse à nous partager, Nicops. T'as dit un truc intelligent à quelqu'un et tu t'es fait flamber ta tronche. Je sais pas. Dis-nous, hein, Nicops, si tu veux partager, on partage, y a pas de souci. Bonjour, Nicops, j'ai pas dit bonjour. Bonjour, Nicops, comment ça va?
Donc voilà, petite actu sur TikTok que je voulais vous partager. Les choses avancent, mettez-vous à TikTok les amis, ce serait cool quand même. Qu'est-ce que j'ai dans les cartons également? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ChatGPT Vision? J'ai peur que ça nous mette dans un tunnel et on va avoir du mal à en sortir. Donc je vous fais quelques infos avant quand même. Et peut-être une petite question. Puis j'ai des trucs nawak, mais ça je vais peut-être les réserver au show pour demain. Des trucs qui sont plutôt rigolos, sympathiques, tout ça, machin, mais j'en ai 2-3, donc ça c'est plutôt cool. Ah tiens, si, je voulais vous partager ça. Je voulais vous partager ça, parce que vous savez, ici on a une petite marotte, une marmotte. Je fais super mal la marmotte. Je sais pas imiter les marmottes, je sais pas faire. Tiens, Tom, il nous partage un truc. Attendez. Après, je vous donne une info parce qu'on a une petite marmotte quand même, c'est les influenceurs. Donc, on va un tout petit peu en parler avec une nouvelle petite info qui nous vient du gouvernement. De la France. Non, de l'Europe d'ailleurs. Non, de la France. Allez, je vous explique. D'abord, on jette un petit œil à ce que vient de nous partager Tom. Vous pouvez faire pareil hein, les amis, si vous avez des news dont vous voulez qu'on parle, si vous avez des sujets que vous voyez passer sur le web, vous dites ou un post ou un truc comme ça, vous dites ouh, ça j'aimerais bien avoir votre avis, hop. Vous me dites, Coupe du monde de rugby, une IA prédit le vainqueur de la compétition et ce n'est pas la France. Ouh, elle est nulle l'IA, alors que si elle avait dit c'est la France qui va gagner, on aurait dit ouais, elle est super l'IA. C'est bizarre hein. On est bizarre. Oui, c'est ça. J'allais dire exactement la même chose que toi, Tom. Avant, c'était un poulpe, et maintenant, c'est l'IA. Oui, vous savez, avant, il y avait... Comment il s'appelait, machin, le poulpe, là? On avait un poulpe dans un aquarium, et on lui mettait deux petits drapeaux, et le poulpe, il allait soit vers l'un, soit vers l'autre, et on disait, ah, il est en train de faire ses paris, et nous dire qui va être le gagnant du match. Ben, n'importe quoi. Bon, c'est pas plus con de le donner à une IA. Si elle a des vraies infos, des vraies données sur les équipes, les blessés et tout ça, peut-être elle peut faire quelque chose. En tout cas, effectivement, la société anglaise Opta estimait que le 15 de France était l'équipe qui avait le plus de chances de remporter la compétition. Ah, d'accord. Mais l'entreprise qui analyse les données par intelligence artificielle a finalement modifié ses prédictions. Dis donc, c'est encore un coup des Anglais. Bizarrement, c'est une société anglaise qui nous dit que c'est qu'on va pas gagner. C'est un complot du Royaume-Uni. Oh, c'est sûr, c'est un complot. Mais non, on va gagner. Non, je crois pas une seconde. Mais j'y connais que dalle en rugby. Donc je m'en fous. Voilà, donc c'est une IA, effectivement, entraînée sur des données réelles et donc mise à jour. Ça commence à être un truc sérieux. Il s'appelait Poulpi, le poulpe. C'est pas super original, hein. Original. L'Irlande favorite, ok. Ah, le Royaume-Uni, l'Angleterre a dit que c'était l'Irlande qui allait gagner. Bon, écoutez... Je suis pas contre hein, l'idée, c'est-à-dire qu'entre un poulpe qui fait des prédictions et une IA mise à jour avec des vraies données sur les joueurs, les équipes et tout ça qui fait une prédiction, je sais pas pourquoi. J'ai tendance à penser que le progrès est plutôt du côté de l'IA. Peut-être me trompe-je, mais je crois pas. Alors, côté influenceur, les amis, ce dont je voulais vous parler, c'est que on en parle régulièrement, vous savez, des influenceurs, on dit oui, les influenceurs, oui, mais bon. Souvent on dit ça, on dit oui, mais bon. C'est-à-dire que, ok, c'est rigolo, voilà, une nana mignonne, elle est à Dubaï, elle nous montre sa penderie à longueur de live, des photos Instagram de sa dernière petite crème qu'elle se met sur la tronche, et puis elle vend des produits, et elle vit sa meilleure vie. On se dit bon, oui, mais bon. Ouais, ça apporte pas un grand truc au monde. Voilà, on sent que ça flirte un petit peu avec l'arnaque, vous voyez. Ah oui, la crème, elle est peut-être très efficace, mais on sait que si t'en mets, c'est juste ce jour-là, et pour la vendre à ton audience, qui s'intéresse plutôt à toi à titre personnel, mais toi t'en profites pour leur vendre des trucs, et te faire ta thune là-dessus, et puis en même temps, si t'es à Dubaï, est-ce que c'est vraiment pour les paysages? Est-ce que c'est pas un petit peu pour des raisons peut-être un petit peu fiscales, ou tout ça, machin? Chacun ses choix, il y a nos problèmes, on va vivre à Dubaï si la vie t'y paraît plus douce. Mais en même temps, je vends peut-être plutôt ta crème aux Dubaïotes plutôt qu'aux Français. Là, c'est bizarre, hein. Puis souvent, c'est des marques françaises que tu vends à des Français, mais depuis un autre pays. Bon, on se dit oui, bon, mais bon, hein. C'est pas un progrès.
on vivrait très bien sans, mais bon, c'est là, bon, on laisse faire. On est comme ça, nous, on laisse faire. Bon, ça c'est influenceux, gros cliché que je viens de vous servir évidemment, caricature. Quand ça tombe sur des gars qui nous font des petites vidéos, des petits lives, qui nous expliquent comment ils fraudent le système, comment ils fraudent en récupérant des aides sociales en France, alors qu'en fait ils font du business ailleurs, mais comme ils sont dans un autre pays, ils ne déclarent pas en France, et du coup ils se font d'amaï, qui passe sous les radars, et qu'ils en profitent pour prendre les aides sociales, etc., alors qu'eux ils n'en ont clairement pas besoin, mais je vous ai bien niqué sur ce coup-là. On se dit, oui, non, mais là, ça va peut-être un petit peu trop loin, hein. Parce qu'il y a eu ça, il y a eu cette histoire il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pas un influenceur, un chef d'entreprise, on va dire ça, qui nous expliquait à longueur de vidéo à quel point il truandait le système et que, s'en fout, le système il est comme ça, moi je suis plus malin, je pique les aides sociales des autres. Alors, tu te sens peut-être très malin, mais c'était pas très éthique ni très honnête ton truc. Bon. Le problème des réseaux sociaux, c'est quand tu fais une vidéo et que tu dis un truc, ça se voit et ça s'entend. Hein ? Et la justice a beau être aveugle, non, pas aveugle, pas de parti pris, elle voit des trucs quand même. Vous voyez la justice là, elle, la justice, avec la balance, voilà. Voilà. Elle a beau avoir un petit bandeau sur les yeux, elle voit des trucs. Et elle voit donc quand tu dis à tout le monde comment qu'il faut tricher pour piquer les aides sociales des autres. Et ben donc, le pire, nous dit Ezra, je crois que c'est ce qu'il faisait, une formation payante pour expliquer comment il faisait. Ah bon, en plus ? Voilà, c'est le pompon. J'avais pas cette info, Ezra, j'avais pas noté qu'en plus c'était pour vendre un truc, genre je vais vous apprendre à tricher, à faire pareil, à piquer les aides sociales. Oh, c'est raide, ouais. Si c'est ça, c'est encore une couche supplémentaire dans le gâteau de merde. Mais bref, donc la justice a beau être aveugle, elle a vu le gars, et a dit bon... Je veux bien qu'on rigole avec vos crèmes vendues à Dubaï. Je veux bien qu'on se marre 2 minutes avec les influenceuses, nous dit cet article. Ouh, belle illustration d'une influenceuse. Bon, très bien. Bon, mais là, promoteur de fraude, ça va pas le faire. Donc c'est un article qui est paru dans Clubic, que vous pouvez retrouver si vous voulez. Le projet de loi, parce que oui, il y a un projet de loi, s'il parvient à obtenir le vote, prévoit ainsi de créer un délit spécifique pour les personnes qui s'amusent à faire la promotion de pratiques frauduleuse. Alors, moi bêtement, je me disais, quelqu'un qui incite à la fraude ou qui promeut des systèmes frauduleux, pour moi, il tombe déjà sous le coup de la loi. Je me disais qu'on n'avait pas le droit. Bon, apparemment, jusqu'à maintenant, il y avait un petit flou juridique. Bon, donc faites gaffe, hein, si vous fraudez les gars, ou si vous incitez les gens à frauder, faites gaffe, il y a un projet de loi qui arrive. Il arrive pas tout de suite, hein. Mais il va arriver avec ses petites pattes. Ah, bonjour, je suis le projet de loi, qu'est-ce qu'il dit ? La sanction s'annonce sévère. 3 ans de prison. Ah oui, carrément. Et 250 000 euros d'amende. Les sous que tu as gagnés, tu vas nous les rendre. La peine peut être poussée jusqu'à 5 ans et 5, il manque un zéro, je pense 500 000 euros si la promotion est effectuée grâce à un service de communication publique en ligne. Ah, ce qui est le cas du coup. Donc en gros, service de communication publique en ligne. Communication publique en ligne. Un réseau social, c'est un service de communication publique en ligne. Voilà. Réseau social, forum, blog, etc. Ouh, venez, je vais vous apprendre à frauder les trucs sociaux. Bim ! Allez, police, menottes, prison. Les pratiques suivantes seront donc sévèrement punies. Alors prenez des notes, les amis, hein, dans tout ce que vous pouvez faire comme business demain ou ce que vous faites comme business aujourd'hui. Moi, je vous juge pas, mais eux, ouais. Si je vous juge, si vous piquez les aides sociales de ceux qui en ont besoin, je vous aime pas. Ah, ça dénonce ici. Ah, ça accuse. Ah oui, c'est mouvement Enrico Macias ici. Hein. Ah, on dit des trucs violents. Ah, ça, j'hésite pas à vous le dire. Vous piquez des aides sociales à des autres qui en ont besoin. Eh ben, je vous aime pas. Ouh là, ouh, attention, là je me mouille. Hein. Ouh là, attention, faut pas l'énerver, Renaud. Hein, sinon, il vous aime pas. Bref, on fait ce qu'on peut. On a les combats qu'on veut. Les pratiques suivantes seront donc sévèrement punies. Donc les amis, prenez vos crayons. Allez, un carnet, un calepin, un crayon, une feuille de papier. C'est quoi qu'on n'a plus le droit de faire à part regarder des kangourous, des koalas et des alligators? J'aime pas ces pubs, ça me saoule. La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents. Mais ça, c'est déjà le cas.
n'a déjà pas le droit de faire ça. L'ouverture de compte ou la souscription de contrat auprès d'organismes établis à l'étranger. L'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établie à l'étranger. Donc si tu te planques derrière une autre boîte alors que tu fais ton business en France, bim, bim, bim. Le glaive vengeur de la justice s'abat sur ta tronche. Voilà, tu te prends la balance, les plateaux de la balance, tout, bam, 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 sur la gueule. La mise à la disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger. Oui, je suis à Dubaï pour 3 semaines, c'est là que je suis pour mon business. Non, 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 plus maintenant. La réalisation, pourquoi je tape sur Dubaï alors que moi je... Plutôt, ça me plaît plutôt. Il y a une partie de ce qui se passe à Dubaï qui me plaît bien, moi. Moi, je vous le dis, hein, mais je tape sur Dubaï, voilà, il y a pire. La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. Genre, tu te planques, machin, etc. T'as des trucs à l'étranger et puis t'en profites pour ne pas le dire en France. Ah, plus le droit, 5 ans et 1,5 million d'amende. Ouh, ça va piquer. On aurait mieux fait de pas piquer les petites allocations des petits vieux. Parce que maintenant... On doit 1,5 million. Bon, voilà, sachez-le, les amis. Je me doute que ça vous concerne pas. J'ose espérer que ça vous concerne pas. Personne fraude ici? Levez la main, les fraudeurs. Ah, quand même. Ah oui, toi aussi. Ah, ok, ok. Ah oui, vous. Ah oui. Bon, ok. Bah, il va falloir arrêter. Voilà. À vérifier, mais il me semble, nous dit Ezra. Oui, bah, je. Ok. Un génie, je confirme, c'était 500 euros. La formation, c'est vrai. Ok. Oh la vache, le mec, pour 500 balles. En plus, faut que tu le payes pour qu'il t'apprenne à frauder les aides sociales. Alors, ça, c'est balai. Ah, il est un champion. Champion du monde. Faut faire gaffe avec les accents qu'on utilise, même pour rigoler en ce moment, les amis. Attention. Bon, voilà. C'était la petite actu influenceur. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand on casse un petit peu les pattes des influenceurs. C'est pas vraiment casser les jambes d'une influenceuse. Calmez-vous 2 minutes, on peut plus rien dire ici. Il manquerait plus qu'Enrico Macias, il nous dise qu'il veut dégommer des gens. Non, je l'ai pas dit. Allez, on parle pas de ces trucs-là, parce que sinon ça va m'agacer. Allez, voilà pour cette petite actu concernant les influenceurs. Attention, ça se durcit, donc il faut faire un petit peu attention. Ceci dit, il y a des choses qui restent tout à fait légales, mais voilà, faut éviter de tricher, c'est mieux pour tout le monde. Hein. La compétition est quand même plus sympa quand il y a des règles et qu'on les suit tous, les amis. Qu'est-ce que je peux vous faire comme petite actu? Tiens, je vais vous faire une question. Une question, ou alors je les garde pour demain les questions, parce qu'on n'est pas très nombreux là aujourd'hui. Non, je ne vais pas vous faire une question. Je vous propose qu'on aille regarder ChatGPT Vision. Ça vous dit? Comme ça, je vais le découvrir moi aussi, parce que j'ai vraiment très 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 peu vu. Alors, on fait ça. ChatGPT Vision, allez, c'est parti. On va regarder tout ça, les amigos. Alors... Je vous redis de quoi il s'agit. ChatGPT, la petite interface sympathique qui permet de chatter avec GPT, notamment GPT-4, la dernière version du modèle d'intelligence artificielle générative de texte édité par OpenAI, soutenu par Microsoft. En une phrase, je vous ai remis toutes les petites pièces du puzzle dans l'ordre. Normalement, vous l'avez, vous rembobinez, sinon vous repassez la phrase que je viens de vous dire. Bon, une fois que vous avez accès à ChatGPT, et notamment la version payante, ChatGPT Plus, eh ben vous pouvez chatter avec GPT-4. Et puis, dans ChatGPT, vous avez une petite bibliothèque de plugins, des petits add-ons qui permettent d'avoir des petites prolongations. ChatGPT classique, par défaut, vous permet de discuter avec GPT, et c'est cool. Vous vous challengez, vous réfléchissez, vous lui demandez de produire des contenus. Alors qu'on se le dise clairement, les amis, et si certains de ceux avec qui j'ai eu des échanges récemment sur LinkedIn passent sur ce live ici, je préfère leur dire, voilà, si vous pensez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est égale à créer des contenus textuels, et que vous faites le débat entre intelligence artificielle et humain, ô combien vous vous trompez, les amis. Je vous conseille, je vous recommande, vous faites ce que vous voulez, de vous renseigner sur ce qu'est l'IA avant de dire « Ouh,
Il y a des humains, ils rédigent des textes, et l'IA, ça sert à rédiger des textes. Alors, affrontons les deux. Est-ce que l'IA, c'est moins bien ou mieux? Ce sont des raccourcis, et tout ce qui est raccourci est faux. Tout ça est nul. Il faut vous renseigner vraiment, vraiment sur ce qu'est l'IA. L'IA, c'est des grands domaines où il y a plein de choses dedans. Ici, là, on ne parle que d'un petit domaine basique de l'IA qui est l'IA générative. Dans l'IA générative, donc des IA qui, par probabilité, génèrent des trucs, il y a aussi plein d'autres domaines. Il y a des IA qui génèrent des images, des IA qui génèrent des sons, des musiques, des IA qui génèrent des visuels, des IA qui génèrent du texte, des IA qui génèrent du code, des IA... Bref, il y a plein de choses. Voilà. Donc là, ChatGPT, c'est un outil d'IA dans un domaine de l'IA générative qui elle-même est un seul domaine de l'IA. D'accord ? Donc ne pensez pas que IA égale truc qui produit des textes tout seul. Bon. D'autre part, l'IA générative, elle dépend beaucoup de comment on la prompte. Qu'est-ce qu'on lui donne comme commande ? Si on lui écrit « Écris-moi un texte sur la physique nucléaire », il nous écrit un texte sur la physique nucléaire. Oui, mais tu comprends, si on donne ce texte à un enfant de 8 ans, il va rien comprendre, donc ça prouve que l'IA c'est nul, alors qu'un vrai prof à l'école, il aurait mieux expliqué ce truc-là, ça prouve que l'humain est toujours supérieur à l'IA. Complètement faux, raccourci, crétin. D'accord ? Le meilleur, selon moi, c'est le prof bien pédagogue, voilà, qui n'y connaît rien en physique nucléaire, qui se dit, tiens, j'expliquerai bien au môme comment ça marche la physique nucléaire. Alors lui, il va dans ChatGPT et il prompte bien ChatGPT. Voilà. Il lui dit, attends, on va l'expliquer comme on l'expliquerait à des enfants de 8 ans, avec un vocabulaire simple mais sans bêtifier non plus. On va aussi le structurer en plusieurs étapes, donc déjà donner une vue d'ensemble, ensuite préciser un truc et après s'attarder à des concepts. Tu vas me faire un plan pour le dire à mes mômes, parce qu'au milieu, on va leur demander s'ils ont des questions et tout ça. Vas-y, ChatGPT, fais-moi le taf. Les bonnes techniques du bon pédagogue, qui va prompter bien comme il faut, un ChatGPT qui va lui pondre bien le truc. Et là, ça donne un truc absolument fantastique. Donc on arrête d'opposer IA et humain. Une IA sans humain, ça fait rien. Voilà, donc c'est complètement con. Bon, et on essaie d'avoir une vue d'ensemble. Ici, on ne parle pas de toute l'IA, mais que de l'IA générative. On parle que de l'IA générative de texte. Mais il y a une petite particularité, justement, qu'on va traiter aujourd'hui. Et puis, on parle que de ChatGPT. Voilà, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Dans ChatGPT, il y a des bibliothèques de plugins pour dire « Ah tiens, j'aimerais bien que ChatGPT, je puisse lui envoyer un PDF à résumer. » « Ah mince, bah, je mets le petit plugin ChatGPT plus PDF. » « Bon, très bien. Tiens, j'aimerais bien qu'il sache me pondre une vidéo. » « Ah mais c'est pas fait pour ça. » « Bon, et eh ben ChatGPT plus le petit plugin, fais-moi une vidéo dans tel truc. » Hop, bah, des petits plugins comme ça, c'est bien. Bon. Et puis, on a aussi des trucs d'analyse mathématique que ChatGPT n'est pas fait pour ça. Mais il y a une petite version adaptée qui permet à ChatGPT d'être fort en diagramme, en code, en maths, en calcul et tout ça, machin. Bon, très bien. Et il y a plusieurs, comme ça, petites versions de ChatGPT. Jusque-là, tout va bien ? Les nouveautés, elles concernent ce qu'on appelle ChatGPT Vision. ChatGPT a gagné ces derniers jours et ces dernières semaines des capacités à voir, à produire du visuel, donc à comprendre du visuel, à produire du visuel et également à entendre ce que vous racontez vocalement, avant pas les maintenant pas les et à parler. Tout ça d'un coup, en plus du ChatGPT à l'écrit qu'on connaissait. Comment ça s'organise cette histoire, les amis? Eh ben, on va aller voir ensemble. Mais oui, on va aller voir ça ensemble, les amis. Vous me disiez quoi dans les commentaires? Si dans un PGPT4, j'ai une question. T'as une question, Kaz Nicops? Ok, tu peux la poser maintenant ou la poser après, comme tu veux. On la prendra avec plaisir. Je vous montre ce qu'est ChatGPT Vision, donc les nouvelles fonctionnalités pour produire des visuels et pour comprendre des visuels. Ici, on est sur PC, mais sachez que tout cela, les amis, est également disponible sur portable. Qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et me concernant, les fonctions vocales où on peut parler et entendre ne sont disponibles que sur l'appli mobile et pas sur PC. Sachez enfin, et c'est le sujet du jour concernant GPT-4, ChatGPT Vision, donc les fonctionnalités de production et de lecture d'images, de visuels, c'est que ces deux fonctions, produire des visuels, analyser des visuels, ne sont pas au même endroit. Et ça, c'est le truc qui me déçoit un tout petit peu. Je vous explique.
Ici, nous sommes dans GPT-4. Je passe la souris là-dessus dans mon GPT-4 et je vois effectivement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le par défaut, le truc avec les plugins, le truc avec les data analysts, tout ça, machin. Et on a un petit nouveau ici qui est Dolly 3. Eh bien, sachez que GPT-4 plus Dolly 3, donc Dolly 3, c'est une autre IA générative du même groupe OpenAI, mais qui génère des visuels. Si vous cliquez là-dessus, alors ici, vous allez pouvoir prompter ChatGPT qui va pouvoir vous produire, grâce à son copain Dolly 3, des visuels. Donc, il faut sélectionner cette option-là, Dolly 3, pour avoir un GPT qui produit des visuels. OK ? L'autre GPT, le par défaut, il ne peut pas produire des visuels. Par contre, lui, regardez, il y a un tout petit icône ici qui est apparu là. On peut lui fournir une image pour qu'il nous l'analyse. Ce qui veut dire que si on veut donner des images à ChatGPT pour qu'il nous en parle, c'est ici dans le défaut, dans le par défaut. Et ça ne se trouve pas, il n'y a plus la petite icône, dans le ChatGPT Dolly 3. Par contre, si on veut produire des images, on veut que ChatGPT crée des visuels, alors il faut aller dans le ChatGPT 4 avec Dolly 3 et on ne peut pas le faire dans le par défaut. Ça m'embête, c'est-à-dire qu'on doit choisir. Soit tu me crées une image, soit tu comprends les images que je te donne. Or, j'aimerais tant qu'on... Parce que c'est dans une conversation, il faut choisir. Soit une, soit l'autre. Moi, j'aimerais beaucoup que dans une seule conversation, on puisse dire, tiens, je te file une image, est-ce que tu peux me la mettre en dessin ? Ben, on peut pas. C'est triste, hein ? Oh oui, c'est dur. Oh ben non, c'est décevant, ça. Non, c'est nul. Non, ben attendez, on va voir quand même des trucs rigolos, les amis, ensemble. Donc, on va peut-être commencer par ça. Le truc qui nous permet d'aller dans GPT-4 et de prompter GPT-4 pour qu'il nous produise un visuel. Donc, ce que j'ai compris, c'est la même chose que d'utiliser Dolly 3. Parce qu'en fait, là, c'est juste qu'on va dire un truc à GPT-4. Voilà. Peut-être en mettant un petit peu de contexte, peut-être en lui donnant des trucs, des infos supplémentaires, peut-être en réfléchissant d'abord à des trucs. Bon. Et puis après, on va lui dire, produis-moi une vidéo. Bon, lui, il va créer un prompt pour Dolly 3, et Dolly 3 va lui ramener ses images, et c'est tout. Bon, on peut aussi prompter directement Dolly 3, vous voyez. Je suis un peu déçu par cette partie-là, production de visuel, parce que j'ai pas forcément identifié de truc un peu magique, contrairement à l'autre partie, analyse de visuel, qui, elle, me bluffe complètement. Alors, j'ai préparé un exemple. Est-ce qu'on va le retrouver ici ? Voilà. J'ai pas fait du Dolly 3, hein, dans Dolly 3, on va directement, on dit « produis-moi un visuel d'un personnage qui est dans le désert en faisant tel truc ». Non, j'essaie d'utiliser les capacités de ChatGPT, donc des capacités conversationnelles et de compréhension de texte. Donc je lui ai dit « est-ce que tu peux s'il te plaît me montrer à quoi peut ressembler Paul Atreides dans son environnement sur Dune ?» Si vous connaissez l'œuvre de Frank Herbert Dune, ou si vous avez vu les films, vous savez de quoi je parle. Donc c'est un personnage de roman, Paul Atreides, roman science-fiction, etc. Magnifique. Et je me suis dit « j'aimerais bien voir un petit visuel de Paul Atreides, mais je vais utiliser ChatGPT. » Plutôt que d'aller directement dans Dolly et de le prompter en disant « Fais-moi un mec habillé comme ça, sur une dune dans le désert, avec deux lunes dans le ciel et tout ça, machin, gna 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 gna. » Donc, prompter exactement ce que je veux, je vais profiter de la capacité créative de ChatGPT. Parce que moi, j'ai une image de Paul Atreides dans ma tête, mais il y en a peut-être plein d'autres. Du coup, comme je suis un flemmard, je vais dans Wikipédia, je tape Paul Atreides. Wikipédia me donne toute une description de Paul Atreides, et ben voyez, je lui ai collé là-dessus. Je lui ai dit, voilà, peux-tu me montrer à quoi peut ressembler Paul Atreides dans son environnement, sur Dune, sur la base de cette description de lui, tiré, et eux, hein, de Wikipédia. Et j'ai copié-collé, blam, ici, voilà, tout ce que me dit Wikipédia sur Paul Atreides. Voilà, invente-moi des scènes. Vous voyez, j'en ai une en tête, je peux la prompter directement à Dolly. J'en ai pas en tête où je me dis, je me challengerai bien. Ben, je demande à ChatGPT de me trouver des scènes. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Eh bien, ChatGPT me répond et me dit, il va pas juste faire un prompt avec le pavé de texte immense que je lui ai donné, vous voyez ? Bon, j'aurais pu aussi lui donner un PDF ou donner un extrait du bouquin et lui dire, vas-y, fais-moi ça. Bon, il analyse le texte. Il analyse le texte comme ChatGPT sait bien le faire. Renaud, bien sûr, je vais vous créer une image de Paul Atreides basée sur la description que vous avez fournie. Je vais essayer de capturer l'essence du personnage et son environnement sur Dune. D'accord ? Voici les descriptions que je vais utiliser pour générer des images. Donc, vous voyez ?
il analyse le truc, le texte, et il produit du texte pour générer quoi ? Un prompt pour Dolly 3. C'est le travail préalable qu'il fait. Donc c'est ce travail préalable qui est intéressant, je pense. Parce qu'après le prompt, on le refile à Dolly 3, j'aurais pu le faire moi-même, vous voyez ? Bon, là, le petit travail préalable de dire, tiens, sur ces bases-là, imagine-moi des prompts, celui-là, il m'intéresse. Bon, il me dit 4 trucs. Bon, je vais en faire 4, ok. Une photo, une illustration. Très bien. Une photo de Paul Atreides, un jeune de 15 ans, ok, vêtu de vêtements Fremen. Ok, il a récupéré des trucs, il a vu dans Wikipédia, debout dans le désert d'Arrakis, avec la seconde lune de dune visible dans le ciel, la silhouette de la souris du désert est dessinée sur cette lune, le paysage est aride, avec des dunes de sable ondulant. Quand j'ai vu le truc, j'étais partagé, je me suis dit, ouh, bien ouais, il a tout bien compris de qui est Paul Atreides, de ce qu'est dune et tout ça, machin. Et juste après, je me suis dit, est-ce que tu vas pas, mais grave, embrouiller Dolly 3 ? Et c'est là où arrive ma petite déception, les amis. C'est-à-dire que je trouve que ChatGPT a fait de l'excellent boulot à me dire, voilà comment on peut imaginer visuellement Paul Atreides. Effectivement, il a 15 ans, pour de vrai, au début. Effectivement, il a des vrais vêtements Fremen. Et effectivement, il y a deux lunes dans le ciel. Et il y a une lune avec la souris dessus, etc., etc. Une forme de souris sur la lune, etc., etc. Il a tout bon. Sauf que je me suis dit juste après, si t'envoies ça à Dolly 3, qui lui ne sait pas ce qu'est la souris du désert sur la silhouette de la souris du désert sur une lune, qui lui ne sait pas ce que c'est qu'un vêtement Fremen, parce que c'est, il ne sait pas ce que c'est le désert d'Arrakis. Et comment ? T'as pas décrit ? Il y a des petites herbes, il y a des cactus, il y a rien, c'est de la pierre, c'est un désert de sable, c'est quoi ? On lui dit pas à Dolly 3. Donc je me suis dit, super bon boulot de ChatGPT, par contre, cadeau empoisonné pour Dolly 3. Il me fait comme ça 4 prompts possibles, et ils sont très bien, ils résument bien qui est Paul Atreides, mais ce sont, à mon avis, des mauvais prompts. Et ça n'a pas loupé, les amis, car voici le résultat qui m'a semblé être décevant. Donc il a créé les 4 prompts et il les a envoyés ici dans le petit carré là, balancés dans Dolly 3 pour générer 4 images. Pardon, mais le vieux monsieur que vous voyez ici, là, comme ça, là, lui, avec sa grosse barbe et tout ça, machin, pour moi ce n'est pas du tout Paul Atreides qu'à 15 ans. J'y crois pas. Voilà. Je pense qu'on n'est pas bon. En plus, on lui avait demandé un autre personnage qu'on ne voit pas sur l'image. Il y a des dragons bizarres alors qu'il n'y a pas ça sur le truc. Bref, il ne sait pas, il n'y a pas de contexte. Là, il est censé observer de l'épice, mais Dolly ne sait pas ce que c'est de l'épice, donc on ne lui a pas dit, donc ça ne marche pas. Là, on lui dit un truc chelou, bah, il fait des trucs chelous, on ne lui explique rien. Et là, c'est pareil, il nous a fait carrément l'étoile de la mort plutôt qu'une silhouette de souris. Et je ne sais pas pourquoi, on se retrouve avec un dragon dans le ciel alors qu'il n'y en a pas. Bref. ChatGPT, les amis, a planté Dolly. Ah, je suis déçu. Je suis déçu parce que je me disais, bah, il va y avoir une intégration. Vous voyez, c'est pas juste. Nous, on fait juste un plugin. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait un truc, on fait un petit plugin qui va bien. ChatGPT, puis le prompt, tu l'envoies à Dolly 3 et c'est finito. Là, on a fait un truc exprès quand même, les amis. On a fait un truc là, Dolly 3 exprès. Je me suis dit, ça va savoir bien prompter. Bah non, ça c'est bien interpréter ce que je dis, mais ça c'est pas faire des vrais bons prompts pour Dolly 3. Comme si, vous voyez, les deux frangins, GPT-4 et Dolly 3, ils savaient pas trop se parler. Oh, j'étais déçu. Donc sur cette capacité à produire des visuels depuis ChatGPT, j'étais déçu. Voilà, j'ai fait ce test-là, j'en ai pas fait deux autres. Parce que j'étais déçu là-dessus, donc je me suis dit, si ça marche pas, je vois pas d'autres idées. Après, je prends bien sûr tout ce que vous pourriez me dire ou vos tests à vous, les amis. Je ferai aussi d'autres tests là-dessus, mais pour l'instant, vu ce que ça me donne, je me dis, autant que je fasse bouillonner mon petit cerveau créatif avec ChatGPT, puis que je fasse comme la fille de Tom avait fait il y a quelques temps, l'image que je me fabrique en tête, bah, je vais la prompter comme il faut à Dolly 3. Le boulot sera mieux fait que ça. Ouais. Je pourrais dire à Dolly 3, voilà, alors le désert d'Arrakis, c'est un désert avec des dunes de sable, sans aucune végétation. Au loin, on voit des rochers qui peuvent dépasser, des grands rochers ocre, etc. Bon, là, je pourrais prompter l'image que j'ai en tête. C'est pas ce que m'a fait ChatGPT, j'étais déçu.
ce côté production d'image décevant. Maintenant, avec quoi qu'on va rigoler ? L'autre côté, le côté compréhension des visuels. Et celui-là, il est plus rigolo et il apporte vraiment un vrai truc. Et pour faire ça, les amis, je vais lire vos commentaires. Pour faire ça, les amis, on retourne. Du coup, on n'a pas le choix dans Dolly 3. Là, on ne peut pas le faire. Il faut qu'on retourne dans le GPT-4 par défaut. Et là, on a tout en bas, vous voyez, le petit machin pour proposer un visuel. Ah, ben voilà, là, on est bien. Je lis vos commentaires, puis après on essaye 12 milliards de trucs avec ce truc-là qui est quand même beaucoup plus rigolo à mon avis. Je lis vos commentaires vite fait. T'avais une question, Kaz, Nicops, comme tu es grand, beau et fort, perdu, je dis pas la suite. Et que tu détectes d'où vient le visiteur, source de la visite, référence naturelle. Peux-tu aussi savoir quel mot-clé l'a amené ici? Et malheureusement, non. Je peux pas. Enfin, je peux le savoir, mais une fois sur 100. Donc c'est trop peu. Google ne montre plus maintenant ces informations-là à Nicops, ou alors faut être connecté à Search Console, et même en l'étant, je vais savoir que sur les visites de la journée, t'as des gens qui ont tapé ça, mais je saurais pas te dire que c'est tel gars qui a tapé tel truc. Malheureusement, ce n'est pas possible techniquement. Pardon pour l'aparté, pour tout le monde, les amis, on retourne à ChatGPT Vision juste après. Tom nous dit « Fini les gosses qui, malgré les questions posées aux profs en classe sur des choses incomprises, rentrent de l'école, du collège, du lycée sans avoir obtenu une réponse compréhensible. » Absolument, je suis d'accord. Mais ça, ça veut dire prof ouvert sur l'IA, intelligent, qui se remet en question, tout ça, machin, avec de l'IA. Et ça veut dire pas IA toute seule qui va faire de la merde. Ah, laisser de l'IA juste, on va le voir ensemble là, les amis, tout de suite maintenant. Si vous dites juste les gosses, les gamins à l'école, on vous parle pas du tout d'IA, on s'y intéresse pas du tout, bon, vous faites bien votre devoir ce soir à la maison, bah les mômes ils vont faire leur devoir par l'IA, ça va être nul, ça va pas être bon. Donc l'IA toute seule, non. Et le prof tout seul qui dit non à l'IA, j'oppose le prof à l'intelligence artificielle, marche pas non plus. Le best, c'est le meilleur de chaque monde. Un bon prof qui prompte bien, une bonne IA. Et là, on a un super truc. Je comprends pas que ce soit pas évident pour tout le monde. Voilà. Mais je me suis encore pris le bec hier soir sur LinkedIn avec des gens qui ont cette vue-là. Et en fait, je me rends compte très vite qu'ils savent pas. Oui, on arrive toujours à un point où, j'ai demandé à l'IA de faire tel truc, ben c'était nul. Ouais, mais tu l'as très mal prompté, tu sais pas qu'elle peut faire d'autres choses, t'as pas compris à quoi c'était utile. Bah, de toute façon, l'IA, ça c'est que rédiger du texte. Ben non, tu peux l'utiliser dans d'autres cas. Oui, mais moi, bon. Si tu t'ouvres pas, si t'essaies de comprendre, de chercher, d'apprendre, et que tout de suite tu dis de toute façon, l'humain est tellement. Je suis tellement un auteur supérieur à tous, que c'est pas demain la veille, que un outil, quel qu'il soit, t'es en train de tenir un crayon à la main. Bah oui, pour écrire, forcément. Bah, tu viens de dire que les outils, c'était naze. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Mais en quoi c'est pas pareil? Bon, bref. Et puis, c'est les premiers à utiliser des correcteurs orthographiques dopés à l'IA. Bon, bref, on s'en fout. Donc, la mienne est mieux par définition. Elle est bien mon image. Et moi aussi, j'ai aussi un test à te proposer sur la partie analyse de visuel. Eh ben super, on va voir ça maintenant parce que ça va être beaucoup plus rigolo, je pense, les amis. Puisque je vous dis que ChatGPT, c'est de la merde. Exactement, Nicops. Voilà, je sais pas pourquoi. PV Graph, salut, il faut s'ouvrir et réfléchir, Renaud, mais cela n'est pas donné à tous. Mais si, je pense, je veux croire en l'humain, je pense que tout le monde est capable. Voilà, mais j'y arrive pas. Bon, mon image a testé Nicops, super, je vais aller regarder ça, hop, tiens, je vais aller cliquer dessus, comme ça j'irai la récupérer. Bon, on peut tester ça si tu veux, et j'en ai pas mal d'autres, j'ai plein d'idées, allez, dans ta messagerie LinkedIn, ok, je vais aller voir ça les amis, allez, on fait des petits tests. C'est parti, mon kiki. Et puis, on va faire des tests aussi sur le téléphone. Ben oui, là, je vous partage le PC, mais juste après, je vous partage le téléphone. Alors, on va se prendre des trucs. Alors, attendez, je vais vous cacher l'écran pour l'instant parce que je vais aller regarder ce que m'a envoyé Tom tout de suite. Comme ça, je stocke. Si vous avez d'autres trucs à regarder, on peut. Ah mince, j'ai fait une bêtise de manip. Hop, je vais sur LinkedIn. Je vais chercher ton truc, Tom. Messagerie. Faut que j'arrête d'ouvrir ma messagerie. Top. J'ai pas Tom. Je sais qui est le chouchou, nous dit Tom. Quoi ? Étant formatrice, j'utilise des IA, mais attention, les prompts sont ultra importants. Bah, bien sûr, évidemment. Tout dépend de ça.
C'est comme dire, attendez, entre un charpentier et un marteau, franchement, le charpentier, il est bien meilleur que le marteau. Non, moi, je dis, un charpentier avec un marteau, c'est top. Un charpentier qui comprend un marteau, qui sait vraiment comment bien l'utiliser et qui l'utilise bien et que ce soit un bon marteau. Ça, c'est le top. Mais je trouve ça tellement débile, les gens qui disent, attendez, le marteau vient d'apparaître. Moi, j'ai essayé un marteau. Je l'ai tenu par le beau truc lourd, voilà. Je l'ai lancé en l'air. Et ben, vous savez quoi? Il m'a fait mal à la tête en retombant. La preuve que les marteaux, c'est nul. Non, mais attendez, monsieur, parce que en fait, c'est pas comme ça qu'on sert. Non, les marteaux, c'est nul. Mais en fait, c'est par l'autre bout qu'il faut le tenir. Non, les marteaux, c'est nul. Bon, attends, on va te peindre le bout du manche en rouge pour au moins t'expliquer qu'il faut le tenir par là. Non, parce que moi, je trouve ça nul et ça m'a fait mal à ma tête. Bon, bah, écoute, merde. Voilà. Bon, bah c'est pareil, à mon avis, ce qui se passe avec l'IA en ce moment. Il y a des gens qui disent « Ah, cet outil, je le connais pas, je l'utilise pas, je veux pas apprendre à m'en servir, et je dis qu'il est nul. » Bah forcément. Comme tout, hein. Comme tout. Ouais. Dans ta messagerie, voilà, j'ai laissé passer le temps. Et ça y est, c'est bon, j'ai reçu. Tom, ah non, tu vas pas faire ça. Il m'a envoyé une photo de moi, cette nouille. Il m'a envoyé une saisie d'écran de ce live. Vous y croyez? Elle est top, cette image. Mais voilà, on perd du temps avec des trucs. C'est rigolo quand même. Je crois que je vais le faire quand même. Allez, on essaye des trucs, les amis, et j'ai quelques tests. Je me suis trouvé des idées de tests et on va essayer ensemble, les amis. On va essayer un premier truc. Moi, j'aime bien. On va tester tout de suite. Hein, on va le pousser dans ses retranchements. On sait qu'il va être capable de faire des trucs sympas. Moi, je veux savoir s'il va faire des trucs vraiment performants. Par exemple, je vous conseille de lire Calvin et Hobbes. Moi, je kiffe Calvin et Hobbes. Hop, je vais enregistrer l'image. Est-ce que je vais le faire comme ça? Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça peut marcher. Ouais, ça m'a marché comme ça. Hop, hop. Je prends l'image de Calvin et Hobbes ici. Voilà, ça fonctionne. Je la soumets à mon ChatGPT-4. Pourquoi je prends une BD de Calvin et Hobbes? Parce que c'est un truc court, qui est souvent chargé d'idées et de grosses subtilités. Moi, je kiffe. Si vous connaissez pas Calvin et Hobbes, les amis, ouais, je vous prête tous les tomes si vous voulez. Voilà, regardez Calvin et Hobbes. Pour moi, c'est un bijou de la bande dessinée. C'est génial, c'est magnifique, c'est fin, c'est tout en réflexion, c'est très intelligent, c'est tout en nuances. Et là, pour le coup, très intelligent, tout en nuances, machin. J'ai pris exprès là une petite série de 4 images, dont 2, il n'y a même pas de parole. C'est que de la graphie. Et c'est des personnages qui ressemblent pas vraiment à des humains. Donc là, si ChatGPT arrive à faire un truc qui se gourre pas trop, je dis bravo. C'est sûr qu'il va se gourer. Bon. Et on va essayer de prompter. Peux-tu m'expliquer les idées que fait passer cette bande dessinée. On lui met que ça. Marie nous disait « Bonjour Marie, comment ça va ?» Tu avais pas montré la vidéo où je te faisais parler, je la trouve tellement rigolote. Non, je n'ai pas montré. Bien sûr Renaud, cette bande dessinée met en scène 2 personnages emblématiques. C'est pas écrit dessus. C'est pas non plus écrit dans le nom du fichier. Je vais vous le mettre en plus grand, pardon. Il comprend tout de suite que c'est Calvin et Hobbes. Vous voyez, la BD, c'est celle-là. Hein. C'est en anglais en plus. Look, I caught a butterfly. Je regarde, j'ai attrapé un papillon dans la truc. Si les gens pouvaient mettre des arcs-en-ciel, j'ai même pas lu, des arcs-en-ciel dans des eaux, ils le feraient. Et du coup, ça le fait réfléchir et du coup, il laisse s'échapper le papillon. C'est que de la poésie, de la finesse, de l'intelligence et des trucs. C'est mignon comme tout, Calvin. J'adore ce truc. Parfois, c'est à pleurer de rire aussi. Bon, là, je suis bien tombé sur ce truc très difficile à interpréter. Il me dit qu'il a compris que c'était Calvin et Hobbes. Calvin, le jeune garçon, montre avec fierté à Hobbes son tigre en peluche anthropomorphe, un papillon qu'il a capturé. C'est bluffant, non? Il a déjà le fait qu'il comprenne ça dans l'image. C'est pas marqué dans le fichier, c'est pas marqué dans le nom du fichier, rien. Il a compris ça. En réponse, Hobbes réfléchit à la nature humaine et fait une observation piquante sur la tendance des êtres humains à emprisonner et exhiber des choses belles et libres
suggérant que si des humains pouvaient mettre en des arcs-en-ciel en cage dans des eaux, oh, il interprète tout, il le ferait. La dernière case montre Calvin relâchant le papillon, ce qui peut indiquer une prise de conscience soudaine de la valeur de la liberté et de la beauté naturelle. Oh, mais ChatGPT, t'as tellement tout compris. Le message sous-jacent de cette bande dessinée, je veux qu'on réfléchisse à ce qui se passe, les amis, vraiment. Le prochain qui me dit l'IA, ça crée que de la merde inférieure à l'être humain, le test qu'on fait là, ce que comprend, c'est des guillemets, ce que comprend ChatGPT dans ce petit strip là de Calvin et Hobbes, vous m'assurez que chaque humain de la planète comprend ça? Moi, je suis sûr que non. Je suis sûr qu'il y a peut-être même une majorité d'abrutis sur cette planète qui ne comprend pas le message de cette petite BD de Calvin et Hobbes. ChatGPT, lui, oui. Et je trouve son analyse, je le fais avec vous en live, les amis. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas un truc préparé à l'avance. Et qu'on improvise totalement le truc. Ouais, et moi, je suis absolument bluffé. Je sais pas vous, peut-être vous êtes blasé, vous dites « Bah oui, c'est normal. » Bah oui, il y a ça dans l'image. C'est normal qu'ils disent qu'il y a ça dans l'image. Bon, et je trouve ça parfaitement bluffant. Sa compréhension, le message sous-jacent de cette bande dessinée est une critique de la tendance humaine à vouloir posséder et contrôler la beauté et la nature plutôt que de les laisser exhiber librement. Tu veux pas mettre ça dans une salle de classe? Vraiment? Elle souligne également l'importance de reconnaître et de respecter la liberté des autres êtres vivants. Tu veux pas mettre ça dans une école? T'es sûr? T'es sûr? Cette réflexion est très pertinente, en particulier dans notre société actuelle, où le progrès technologique et l'innovation peuvent parfois nous éloigner de la compréhension et du respect de la nature. Qu'en pensez-vous, Renaud? Hein? Je suis ému. Je suis tout attendri. Donc, quand je vois passer des humains qui disent « L'IA, c'est nul, parce que je lui ai fait faire un truc nul, il a rien, c'est nul », je me dis « Mais regarde ce que tu loupes. Et regarde ce que tu fais louper à tous tes congénères. Oh, j'adore. Franchement, le test de la BD... Je pensais qu'il allait se planter. Très honnêtement, j'étais persuadé qu'il allait se vautrer et qu'après, du coup, je pourrais vous montrer des trucs où il se vautre moins. Bon, là, je suis bluffé, moi. Vous m'en pensez quoi? Elle est top, cette image, avec le live on air allumé. Tu n'avais pas montré la vidéo où je te faisais parler, nous disait Marie. En effet, il voit bien, ChatGPT, pas besoin de lunettes. Bah oui, mais il voit, il comprend, il interprète, il analyse. En plus, c'est du dessin minimaliste. Hein. Franchement, faut le voir, le papillon. Mais je pense qu'il a lu Butterfly dans la bulle et qu'il a compris que si la bulle du petit Calvin, c'était Butterfly, alors c'était sûrement que la petite tache noire qui est dans le bocal, c'est le Butterfly dont il cause. Mais la compréhension, elle est ouf quand même. Hein. Moi, je suis bluffé. Top pour les aveugles. Je suis bien d'accord, Tom. Je suis bien d'accord. Là, ChatGPT a la ref sur Google, non? Non. Non, il n'est pas connecté, là. Non, Marie, il n'est pas connecté, là. Là, j'ai ChatGPT pas connecté au web, hein. Et dans le fichier s'appelle Tumblr 474FD46 machin nana. Donc, non, il sait rien du tout. Oublie pas que tu as donné des instructions spéciales à ChatGPT. Il comprend ta sensibilité. Tu as indiqué que tu. Oui, alors après, moi, franchement, ce que je vois là-dedans, tu as tout à fait raison, Marie, qui fait référence à ce que j'ai pré-prompté. Franchement, c'est juste le fait qu'il me pose une question à la fin. Je lui ai demandé à chaque fois que c'était pertinent de me relancer par une question à chaque fois qu'il me répondait. Le reste, non. Alors c'est pour ça que souvent il me parle de mon business, parce que je l'ai pré-prompté, mais là non. En fait, je pense que pour faire accepter les IA aux réfractaires, il faut mettre en avant que les infos et réflexions qu'elles nous proposent sont toutes issues des contenus sources produits par l'homme. Alors peut-être, Tom, je suis pas sûr, malgré tout, parce que j'ai quand même l'impression que ces gens-là sont en danger. Vous savez, il y a un truc, il faut que je vous montre ça. Est-ce que je l'ai encore sur mon téléphone? Il y a un truc avec lequel je suis totalement d'accord et que j'ai vu passer chez... Il faut que je vous montre ça. Chez Fred Canvey. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de trouver ce que j'ai à vous dire là-dessus. En fait, je suis pas sûr pour ces gens qui refusent l'IA. Je pense que c'est des gens qui ont peur. Donc, ils ne veulent pas avoir. En fait, ils disent non, non, non. Non. Et je pense que si tu leur dis mais tu sais, le truc que font l'IA, ils sont aussi produits par des gens bien, bah en fait, ces limites, ça les met encore plus en danger. Donc une partie d'entre eux, au moins, ne va pas plus s'écouter comme ça. Je crois, hein, Tom, je sais rien, faudrait tout essayer. Alors, faut que je vous retrouve le truc dont je voulais vous parler.
Frédéric. Canvé, j'ai vu passer ça sur TikTok. Ben d'ailleurs, je vais faire un truc en même temps. Voilà, bougez pas les amis. Voilà, j'ai ça. Allez hop, je vous montre ça. Ah, c'est de la haute technologie si je partage tout, moi. Accepter, est-ce que ça va marcher du premier coup? Oui, regardez. C'est un extrait d'un TikTok de Frédéric Canvé que je vous recommande et conseille dans vos business, dans le digital, dans le web. C'est un mec en or en plus et il brille. L'IA va rendre bons les mauvais. Et moi, je pense que c'est notamment pour ça qu'on ne peut pas louper la chance que propose l'IA. L'IA va rendre bons les mauvais. Quand tu chopes Calvin et Hobbes, que tu arrives à le mettre devant les yeux d'un teubé et que l'IA t'explique en quoi ce truc est beau et porteur d'un message et quel est ce message, bah oui, l'IA va rendre bons les mauvais. Et c'est une chance inouïe pour l'humanité, c'est ce que je pense. L'IA va rendre meilleurs les bons. Ceux qui sont déjà bons, qui ont la bonne réflexion, qui savent prompter, etc., etc., ça va les rendre encore meilleurs. Et je pense que les réfractaires dont on parle, Tom et les autres, c'est la dernière partie de la phrase, et les bons devront créer plus de valeur ajoutée. Et c'est de cela dont je parle. C'est avec cela dont je me suis un peu pris la tête hier soir. C'est des gens qui disent, mais moi, je suis auteur, expert. Bon, vas-y, t'es rédacteur. T'es rédacteur, descends un petit peu. Oui, mais moi, mes contenus, ils sont réfléchis, structurés, avec des méthodes. Ouais, mais tes méthodes, tu peux les mettre dans ChatGPT. Mes méthodes, structurées. Ouais, ben, t'as qu'à les écrire dans ChatGPT, il te prendra tes méthodes structurées. Oui. Mais je les garde pour... Bah, tu sais pas les écrire, tes méthodes, c'est ton boulot d'être auteur. Non, mais c'est moi. Et donc, du coup, nanana, l'IA ne pourra rien m'apporter tellement je suis parfait. Ceux-là, ils vont pas aller vers l'IA. Alors, soit parce que en fait, ils pensent tellement être bons qu'ils ont peur d'être dépassés par des moyens qui vont devenir aussi bons qu'eux demain. Bah oui, c'est ça le truc. Soit ils se disent, bah, j'ai tout à perdre. Je me crois tellement supérieur. Je suis tellement supérieur à tout. Que je refuse que qui que ce soit utilise l'IA. Tu te rends compte, il y a des mecs qui vont devenir aussi bons que moi. Je veux pas. Je veux pas. Et moi, je suis tellement fort que ça n'a rien à m'apporter. Ah si, forcément. Je trouve ça très égocentrique comme position. De dire, dites non à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, je suis le meilleur. Et demain, ça risquerait de rendre d'autres gens bons. Pas de gens bons, de gens bien. Le mec, il est tellement dans sa position de supériorité qu'il veut surtout pas qu'il y ait d'autres qui soient meilleurs. Socialement, c'est pas bien. Moralement, c'est pas bon. Moralement, ça va pas. Oui, mais il y a des mômes, ils savent pas écrire. Il y a des mômes, ils savent pas ce que c'est la structure d'un texte. Ben, on leur met l'IA, on les prompte avec ce que tu sais, si tu veux bien. Et puis comme ça, ils sauront faire aussi bien que toi. Que ces gueux fassent aussi bien que moi. Enfin, c'est impensable. Putain, vas-y, redescends. Socialement, moralement, j'aime pas. J'aime pas cette posture. Bon, après, les mecs sont peut-être effectivement super brillants, justement. Pour moi, si tu es super fort dans un truc, voilà. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je pense. Mais après, il a en mémoire jusqu'à 2021, je crois, nous dit Marie. Oui, plutôt d'accord avec toi. Si on leur prouve qu'ils peuvent obtenir des bénéfices des IA, ils vont l'accepter, genre santé, médicale, sécurité. Et j'espère. Et c'est ce que je me dis aussi, je pense comme toi, Marie. Je constate que non. Dans certains cas, ça devient minoritaire. Ces gens vont être largués finalement. Bref, coucou, nous dit Rémi Agenceur sur YouTube. Et question, si tu flattes l'encolure de ChatGPT en lui disant que tu es content de sa réponse, est-ce que ça contribue à son apprentissage? Non, ça contribue pas à son apprentissage, mais ça, c'est un prompt. Par exemple, si tu dis à ChatGPT sur un truc, ça m'arrive parfois, il y a un petit hack comme ça qui est assez mignon. Tu le fais coder. Et puis tu fais des trucs compliqués, tu changes une requête SQL, puis tu le fais un code PHP, puis après machin. Et au bout d'un moment, toi tu te perds un peu, puis ChatGPT parfois il se perd un peu, tu vois. Et il te dit un truc et tu lui dis mais non, mais en fait tu m'as dit l'inverse juste avant, ça ne va pas machin. Alors du coup il essaie de se rattraper aux branches machin. Et parfois t'as du mal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive de temps en temps avec ChatGPT, je le paume et puis je me paume avec. On perd le fil du truc, merde, ça part en cacahuète. Et ben le truc c'est de dire dans le prompt, ChatGPT. Prends une profonde respiration et fais tel truc. Ça a l'air con de dire prends une profonde respiration. Et ben en fait, il l'interprète. Prends une profonde respiration. Je sais pas comment, mais il se dit attends, je vais reprendre les trucs dans l'ordre et les recalquer d'abord et les restructurer et ensuite je vais fournir ma réponse. Vous voyez? Le fait de dire prends une bonne respiration, il le fait vraiment.
Enfin, il le fait vraiment. Il prend pas vraiment une grande respiration, mais vous voyez, il se pose pour le faire. Donc ça fait partie du prompt. Si tu lui dis « Waouh, bravo », ça fait partie du prompt et il va peut-être aller chercher plusieurs d'autres trucs. Par contre, ça contribue pas à son apprentissage. Non. Ça pourrait être le cas et ce serait génial si on avait nos IA à nous locales. Voilà. Parce que moi, si je trouve que le truc, il est super... Ben, ChatGPT va pas faire changer son moteur GPT pour tous les gens de la planète, tu vois. Ah, il y aurait des dérives. Par contre, si c'était mon ChatGPT que j'ai à moi en local, je pourrais faire l'apprentissage et dire ça c'est bien quand tu me dis ça, ça c'est pas bien quand tu me dis pas ça. Voilà. Après, ça contribue, mais de façon très très macro. Vous avez d'ailleurs les options, hein, les amis. Dans votre ChatGPT, vous avez ça. Voilà, vous avez des petits pouces en l'air, pouces en haut. Il y a que ça. Voilà, pour dire réponse satisfaisante, réponse pas satisfaisant. Ça compte très très peu et ça ne fait pas l'apprentissage de ChatGPT. À suivre à coup sûr, conseil marketing. Tout à fait, PV Grave. Frédéric Canvé, auteur de bouquins top aussi, de référence. En growth hacking, il est super. Et puis c'est un humain très 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 bien. Rien que pour ça, faut le tuer. Même s'il disait rien, il faudrait le suivre. Combien j'en ai entendu dire, c'est très bien. Comme c'est surtout pour le pro. Ouais. Aucune ambition, c'est navrant. Et puis aucune empathie pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Comme si t'as un prof de chimie. Imagine un prof de chimie à l'école qui dit non mais je vais pas vous parler de chimie, vous êtes des nuls, vous les collégiens. Moi j'aurais pu être chimiste. Ouais, enfin t'es prof de collège. Donc comme je m'y connais vachement plus que vous en chimie, alors n'ouvrez pas vos livres. Ah, c'est pitoyable, tu vois, comme truc. Ah, c'est l'inverse du progrès pour moi, ça. C'est de l'obscurantisme. Je sais, alors faut pas que les autres sachent. Ouais, c'est comme ça qu'on fait des religions. Hein. Bref, allez. Ils ont sûrement appris de quelqu'un, donc transmettre est une valeur universelle. Il me semble aussi. Exemple pour moi, je lui demande tout le temps à ChatGPT quelle proposition est la meilleure, notée sur 10. Très bon move, Marie. C'est se remettre en question tout le temps, mais c'est un mindset. Et tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Mais il est très bon. Je suis satisfait de ta réponse. j'aime beaucoup, je l'ai lu comme ça. Allez, on fait d'autres tests, les amis, sur notre ami ChatGPT Vision, parce que celui-là, il est bien, hein, mais voilà. On m'a conseillé, encore une fois, je fais à l'arrache avec vous, de faire ça. De choper une planche anatomique. Et puis d'essayer de lui balancer ça. Qu'est-ce que c'est ça? Le squelette humain? Bah, c'est mal écrit, on voit rien. C'est un poster, on voit rien. Hop, mauvaise pioche. Bah, j'essaye de choper une planche anatomique. Bon, alors là, c'est écrit à la main, c'est un vieux truc. Ouais, on va le challenger. Allez, on va le challenger. Allez, enregistrer l'image. Hop. Vous avez vu, pardon, vous voyez rien, excusez-moi, je ne vous ai pas partagé. Excusez-moi, j'ai zappé, je vous parle et voilà. J'ai pris cette image-là, vous voyez. C'est une planche anatomique où c'est un vieux truc. Vous voyez, c'est écrit, c'est quasiment écrit à la main. C'est mal fait. En plus, il y a de l'image sur du texte sur l'image. Il y a des trucs qu'on voit à peine. Donc, je pense que ça va le mettre dans le Zion total. Allez, amusons-nous. On va le pousser dans ses retranchements, pépère. On va mettre ça. C'est pas là, c'est là. Anatomie corps humain. Merci de lister toutes les infos de cette planche anatomique. Hop, allez, c'est parti mon kiki. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je lui fais pas de cadeau parce qu'en plus c'est coupé. Il y a des trucs trop petits, il y a des trucs, c'est écrit, c'est même pas en police normalisée. Bon, je pense que là, il va ramer. Je retire ce que j'ai dit, il rame pas. Moi, est-ce qu'il a raison? Oh, attends, on va pas tout checker. Ça, c'est la vue de face. Comment il sait que c'est la vue de face? Ah, c'est écrit là, ok. Artère carotide, veine jugulaire, trachée artère, larynx, trachée. Ok, vue de dos. Ok. Bon, bah, il est nickel, hein. J'arrête pas de penser au malvoyant à chaque fois. Je me dis, mais ça va être un changement génial. Ouais.
Tom nous disait l'autre jour, j'ai entendu parler, je le laisse tourner pendant que je discute avec vous, les amis. J'ai entendu parler d'un trésor caché par une personne pour une chasse au trésor avec des énigmes, le trésor de la chouette d'or. Oui, c'est un truc de malade. Ah oui, t'as pas, jamais entendu parler de ça. Oui, c'est un truc iconique. Toujours pas trouvé à ce jour. Je pense que l'IA pourrait aider à la résolution des énigmes. C'est pas con, mais tu sais, il y a des aficionados, des mecs ils font ça toute la journée, tout le temps, la chouette d'or. Je pense qu'ils y ont déjà pensé. Ou peut-être pas. Auquel cas, l'IA va peut-être trouver la chouette d'or. Ce serait magique. Oh, ça fait rêver, Tom, si ça arrive. Il ne manque plus que l'odeur à venir bientôt. Je sais pas. Sur la photo de toi que j'ai envoyé, le live on air est allumé. Oui, bah là il est éteint, j'ai oublié de l'allumer. J'étais en retard, désolé. Blague de ma fille en réponse, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses, il s'assoit et il meurt. Magnifique, magnifique, magnifique. Même pour les presbytes, je pense qu'il y en a pas mal ici, non ? Dis donc, ça va pas. Ces illustrations montrent divers organes et structures du corps humain vus sous différents angles. Est-ce que cela vous est utile ou il y a autre chose sur lesquelles je pourrais vous éclairer davantage ? Donc, parfaitement compris. Le truc bien compliqué, avec 4 images dans une image, il a compris que c'était des vues, des machins, et il a tout décrypté, et ça, c'est cool. Top. Top, 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 top. J'ai l'impression qu'il m'a remis la même chose à chaque fois. Ah non. Ah non, il m'a pas remis la même chose à chaque fois. Ok. Bon, bah, test validé pour les dessins complexes et savoir ce qui se passe. Alors, j'en ai un. On m'a conseillé de le faire, mais franchement, j'y crois peu. On va essayer ça, les amis. On va essayer ça. J'ai un gros doute, hein, mais on va voir. Alors, je vous montre ce que je fais. Vous allez comprendre, je ne vais même pas vous le documenter. Enregistrer l'image. Ok, c'est un pot-au-feu. Tout va bien ? Ah, alors il m'a mis l'image en format WebP, ça va pas marcher. Mince. Mince, mince, mince. Alors, faut que je trouve une autre image où ce soit un PNG. Celle-là peut-être. Non plus. Ah, attendez, je vais essayer de trouver une image qui va bien. Au format qui va bien. Voilà, un petit JPEG, ce sera très bien. Allez, on va poser le JPEG là-dedans. Très bien. Tu peux m'écrire une recette pour que je puisse faire un plat semblable. Donc après l'intestin grêle, le pot-au-feu. Alors, moi je voudrais quand même vérifier un truc. C'est que là, dans l'image, est-ce qu'il ne va pas la trouver ? Je pense que c'était la question de Marie tout à l'heure. Est-ce qu'il va pas choper l'image sur Google et du coup il sait que c'est une recette derrière et du coup il va rechoper la même recette. Alors on va voir. On va essayer de voir. Non, c'est pas la même du tout. Non, c'est pas la même. Il a pas repris, donc il vraiment là il est en train de déduire d'une photo une recette. Alors ce qui est marrant, c'est que je sais pas si vous avez vu là-dedans. Là, ici, là, dans cette photo que j'ai trouvée sur le web, il y a une recette associée. Je ne sais pas sur quel site ça se trouve. Spice Tracker, là. Il dit qu'il faut une carotte. Et alors, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Donc, je ne sais pas comment dans sa recette, il a réussi à faire ce plat-là avec une seule carotte. Parce que, ou alors, il taille des carottes en deux carottes. Ou alors, il y en a une des deux, ce n'est pas une carotte. Alors que lui, ChatGPT, il nous dit qu'il faut plusieurs carottes quand même. Ah, il nous dit qu'il en faut 4 ou 6. Ah, c'est peut-être pour plusieurs. Ingrédients, tac 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 tac, préparation, il est en train de nous inventer la recette à partir du plat. Test, apéro. Vous me disiez quoi ? Est-il capable de trouver un lieu ? Ah bah j'imagine que oui, mais on peut essayer. Oh oui, si on lui montre un truc, il va comprendre. On va essayer. Faut pas se tromper, si on fournit aux universités des étudiants en chirurgie, ils vont rien comprendre. Il va reconnaître les carottes. En même temps, le pot-au-feu, on n'a pas 1000 recettes, je crois. Non, mais je trouve ça bien, je trouve ça dingue de. Parce que là, il invente la recette. Il génère la recette.
trouve ça balèze. En fait, on est dans un truc de process quasiment. Je te montre le résultat final, explique-moi comment arriver à ce résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on va essayer de lui trouver. Ça, c'est une tranche de citron qu'il y a dans le bol là. C'est bizarre, non? Une tranche de citron dans le bol du pot-au-feu. J'ai un problème. Mais bon, peu importe. Il n'y a pas de citron là. Ah là, on a trouvé une erreur. Donc, il est en train de générer. Voilà, il est en train de générer la recette pour arriver à ce résultat là. Vous voyez, ce qui est assez dingue quand même. Ça veut dire que tu lui dis, tiens, voilà une photo de maison. Explique-moi, fais-moi le plan de la maison. Vous voyez, voilà mon moteur de voiture, explique-moi comment changer les bougies. C'est ça dont on est en train de parler. Voilà le résultat final, dis-moi comment on est arrivé là. Mais c'est encore mieux que dis-moi comment on change les bougies. Top, hein. Voilà. Moi, je trouve que le test est vraiment sympa. Et imaginez toutes les applications possibles, vous voyez. C'est-à-dire de pouvoir fournir une image, comme ces rédacteurs là, qui nous disent des trucs, une image d'un personnage, et dire, voilà, génère-moi une histoire autour de ce personnage. Ce serait cool, ça, quand même. Oui, ce serait cool. On a quoi comme truc qui peut être assez rigolo? Oh, j'avais celui-là, mais je sais pas si je vais oser le faire en live. Allez, je regarde si j'ai des... J'ai vu passer un truc. Je sais pas si je vais oser vous le faire. Je crois que si. Je crois que le problème, c'est que j'ose tout, moi. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je vous montre. Je commente pas. Je commente pas, juste je vous montre. Parce qu'il y a des mots que je peux pas dire, je crois. Vous allez le voir en grand après. Je lui dis, j'ai trouvé ces choses dans mon jardin, comporte-toi comme si tu en avais mangé une grosse poignée. Ah, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Ah, ça y est, on l'a eu. Hop. Ah bah non. Ah non, je croyais qu'on l'avait planté, mais non. Je me suis dit, ah, c'est bon, il est en train de me dire, je suis désolé Renaud. Et je me suis dit, c'est bon, il comprend pas. Et ben en fait, si, il comprend, parce qu'il est en train de me dire, je ne peux pas simuler les effets de la consommation de substances, y compris des champignons, sur moi-même. Cependant, il est essentiel de noter que certains champignons sauvages peuvent être toxiques ou même mortels. D'accord, bon, il a compris le truc. Bon, voilà. J'ai vu un exemple où, en fait, il faisait parler, je l'ai mal prompté, je pense, j'aurais dû lui dire, tiens, parle-moi d'un truc comme si tu avais mangé ces trucs-là. Et du coup, ChatGPT commençait à faire le mec halluciné et tout ça, machin, c'était assez rigolo. Là, c'est moins utile ce que je suis en train de vous montrer, les amis, mais il y a d'autres tests. Il y avait également, ah ouais, ça je voulais... Ça, je le ferai sur le téléphone, je pense. Et on peut lui donner des panneaux routiers, il comprend tout. Il paraît qu'on peut lui donner des problèmes de maths. Alors ça m'étonne un peu quand même. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça. Il me faudrait une image avec un cahier d'exercice, vous voyez, un livre de maths. J'en ai pas sous le coude. Genre ça, voilà. Ouais, genre ça, c'est bien. Voilà, un truc qu'on aurait dans le bouquin, quoi. Donc on imagine, on est un enfant à l'école. On n'aime pas les maths. Ou alors on est déjà fort en maths et ça, c'est nul, on s'en fout, quoi. Bon. Notre prof, il nous dit surtout, vous n'utilisez pas ChatGPT. Ah ? Le prof nous a dit de ne pas utiliser un truc. Qu'est-ce qu'on va faire en rentrant ce soir à la maison ? Bah, on va l'utiliser pour voir ce que ça donne. Donc on va sur ChatGPT, on met le truc. Répond. Comment on dit? C'est pas répondre, c'est fais-moi tous ces exercices avec tous les détails comme il faut pour que j'ai une très bonne note. Est-ce que c'est ChatGPT qui, lui, malin, va me dire, tu sais que tu devrais faire tes devoirs tout seul? Ça, j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça.
J'aimerais beaucoup que ce soit ça. Oh, peut-être un petit bug là. Oh, je vois pas l'image. Agnès achète un pull. Ah si, si, il l'a vu, je sais pas pourquoi il me l'affiche pas là. Ben, Agnès achète un pull. On va faire un problème de maths, les amis. Je suis désolé. Ah ben ça va, le voilà. Agnès achète un pull à 54,70. Le commerçant lui fait une remise de 12,50. Et les amis, on fait comme si on était en train de parler à un prof là déjà. Je me rends déjà même pas compte qu'en fait je vais juste filer un visuel, une photo, et qu'il est en train de me dire déjà tout ce qu'il y a dans la photo. Donc là, en termes de reconnaissance de tout et de compréhension, ça y est, c'est même plus choquant pour moi. Je me dis bah vas-y, ouais, hein, vas-y prof, ChatGPT. Agnès achète un pull. Mais déjà ça, c'est fantastique. Il y a un an, on n'avait pas ça. Mince. Pour trouver combien Agnès va payer le pull après la remise, il faut soustraire le montant de la remise au prix original du pull. Bah ouais. Ah ça, c'est une explication. Ça, c'est ce que le prof aurait dû me dire. Calcul. 54,70 entre parenthèses, prix original, moins 12,50 entre parenthèses, la remise, égale 44,20. Réponse. B. 54,70 moins 12,50. Il m'explique. Trouvez-moi un prof de maths en collège qui a des classes de 32 élèves qui va me dire que ça, c'est pas intéressant pour certains. Voilà. Le problème, les amis. Donc, c'est bon, il va faire... C'est bon. Est-ce que t'as fait tes devoirs ce soir? C'est bon, papa, c'est en train de les faire. Comment c'est en train de les faire? Tu veux dire tu es en train de les faire? Oui, oui. Donc, ChatGPT, t'es en train de faire les devoirs. Allez, hop. On va sur Internet. Donc c'est bon, il fait les devoirs, il les explique, il les détaille et tout ça. Imaginez le drame que ça va produire avec des profs qui vont dire « Surtout, il faut interdire l'IA, personne n'a le droit d'y toucher. » Ça va faire des élèves forts en maths qui ne feront plus leur exercice. Ça va faire des nuls en maths qui vont s'améliorer plus avec ChatGPT à la maison que dans les cours à l'école. Dramatique. Et ça va faire des profs de plus en plus inutiles et des élèves de plus en plus déconnectés de la réalité. Imaginez par contre le bonheur que ce serait qu'un prof de maths vous dise « Écoutez, l'important, c'est de faire le truc. Vous pouvez le faire avec l'IA ou pas. Moi, je vais vous interroger, non pas sur le résultat, à vous dire « Oui, non, oui, non, oui, non », mais savoir si vous avez bien compris la logique. Utilisez ChatGPT à la maison, pas pour lui dire « Fais-moi le devoir », mais pour lui dire « Explique-moi bien tel truc pour que je comprenne. » Apprenez. Je vais vous apprendre, moi, les enfants, à bien prompter ChatGPT pour que si un truc vous comprenez pas, vous lui dites telle phrase magique et comme ça, il va bien vous expliquer tel truc, d'accord? Et demain, je vous interroge sur votre compréhension profonde du truc. Le résultat, c'est que le résultat. Ok pour vous? Donc, entraînez-vous à la maison si vous êtes à la ramasse. Utilisez ChatGPT pour qu'il vous explique encore mieux. D'accord? Allez, super. Et si vous avez un problème, vous m'appelez, je suis votre prof. Ouais. Ah, imaginez le bonheur que ce serait de faire comme ça. Donc voilà, bon, il a fait l'exo, hein. C'est bon, il a fait mes maths, a fini tes devoirs, oui, j'espère que ces explications sont claires et vous aideront à obtenir une excellente note, si vous avez d'autres questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à m'en faire part, et bah c'est cool, merci, donc il sait faire ça, fastoche, hein. Donc là il n'y a pas besoin de recopier un truc, ou expliquez-moi comment on fait 54,70 x 12,50, non, là on lui a mis le cahier de maths, le livre de maths, et donc, il comprend ce que l'exercice veut m'expliquer, qu'en fait, il faut soustraire des remises après, machin, gnagnagna. Il comprend ça, il me le réexplique et tout ça. Il fait le prof. Magique. Hein, il explique. Oui, parce que je lui ai demandé d'expliquer dans le prompt. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel que dès aujourd'hui, dès hier, il y ait des profs qui expliquent l'IA. Et disent aux enfants comment l'utiliser. Et surtout, il faut qu'on arrête, surtout dans l'éducation nationale, de dire... On interdit l'IA, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Le jeu en ligne pour trouver des lieux sur Google Earth d'après photo, GeoGuessr. Je viens d'envoyer des commentaires avec l'URL mais ils n'apparaissent pas. Ah je sais pas. Qu'est-ce que t'as envoyé? T'as envoyé des photos GeoGuessr? Je sais pas. L'image générée par l'IA sûrement. Tom, tu as élucidé le mystère mystérieux. Ça veut dire quoi? Choum. Ah non tiens, on sait pas. Je pense que ça vient de l'arabe. Choum, chouma, chouma, diminutif choum, honte ou honteux. D'accord. Est-ce qu'il peut résoudre les problèmes du prix
millénaire. Je mets le lien en wiki. Mince, Ezra, tu n'as pas, ton lien n'apparaît pas. C'est quoi le prix millénaire? Je sais pas c'est quoi, comme disent les Jones. Tu sais pas ce que c'est, le prix millénaire? Ah, c'est un défi de maths de ouf. Bah, j'imagine que non. Sinon, on le saurait. Je pense qu'il n'y a aucun mathématicien qui s'est dit, tiens, je vais essayer avec ChatGPT. Oh, ce serait bluffant. T'imagines, tu fais un truc et ça résout un problème de maths que personne n'a jamais résolu. Là, ce serait chaud quand même. Le jeu en ligne pour trouver des lieux sur Google. Attendez, attendez, il y a un truc que je voudrais faire aussi. Est-ce que ça, il sait le faire? C'est comme ça que ça s'appelle? Ça, là. Mots croisés. J'essaye. Et c'est un truc chelou qu'on fait là. Faire des liens avec les... je suis pas sûr là quand même. Hein. Je pense qu'il peut me proposer des mots, mais qu'il va pas... Il va pas tenir compte du remplissage de la grille, vous voyez. Que telle lettre, elle doit être commune entre tel mot et tel mot. Je pense que ça, il saura pas faire. Non, ça, je pense pas. Aide-moi à résoudre ces mots croisés. Ça, c'était mon problème de maths. Alors, il va falloir qu'on cogite, là, les amis. Ça va nous faire cogiter, ce truc-là. Ne serait-ce que pour vérifier. GeoGuessr, les réponses de maths vont être les mêmes. Oui, ah zut, en gros, c'est des équations à résoudre avec de l'argent à la clé. Ah oui, as-tu vu ce commentaire, Loïc Simon? Pas d'accord, ce ne sont pas que ceux-là, les bons qui ont peur, qui disent non à l'IA. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ce commentaire, Tom. Où ça? Sur LinkedIn? Ah bah, peut-être je vois pas les commentaires LinkedIn. Tom... attends, tu me transcris. J'ai pas vu le commentaire dont tu me parles de Loïc, qui disait donc pas d'accord. Ce ne sont pas que ceux-là, les bons qui ont peur, qui disent non à l'IA. Je suis d'accord. Il a raison, Loïc. Je suis d'accord avec lui. J'ai pas dit que c'était que ceux-là. J'étais dit que parmi ceux, il y avait de ceux-là, et que je pense que ceux avec lesquels je me suis embrouillé hier, il y avait un peu de ça. Voilà. En tout cas, celui à qui j'ai répondu, je pense que c'était ça. Et d'ailleurs, il l'a confirmé parce qu'il a mis dans un commentaire après « Je suis bien au-dessus de ça et je suis meilleur que tout et que machin. » Donc, c'était ça. Mais je suis d'accord avec Loïc, il a raison, ce ne sont pas que ceux-là. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup, beaucoup que Loïc m'explique, si c'est possible, ou me fasse un petit résumé ou parle de temps en temps des bouquins qu'il recommande que j'ai pas lus. Je sais qu'en fait, je suis con, je devrais les lire. Loïc, il recommande des bouquins qui expliquent pourquoi l'IA, c'est pas bien, et je les lis pas. Bien sûr, je sais que ce que je devrais faire, c'est évident. Je devrais les lire et creuser des choses, et j'ai pas pris le temps, parce qu'on peut toujours avoir le temps. Je n'ai pas pris le temps de lire les bouquins que Loïc recommande. Donc, comme il y a des bouquins que j'ai pas lus, et Loïc me dit, ils sont bien, je me sens totalement con. J'aimerais bien, pour réparer un peu le truc, et sachant que c'est pas demain que je vais lire ces bouquins, faut que je me dégage du temps. Il y a rien que Loïc, parfois, en plus de dire « je vous recommande ce bouquin », nous dit « je vous recommande ce bouquin parce que là-dedans, vous comprendrez qu'il y a telle chose qui explique tel truc et que la conclusion, c'est tel truc. » J'aimerais beaucoup. Et je suis pas en contact avec d'autres gens qui me recommandent les mêmes bouquins que Loïc. Et moi, j'ai vraiment confiance dans la propos de Loïc, surtout quand il recommande des ouvrages. Donc voilà, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, je suis un noob par rapport à ce dont parle Loïc, et j'ai très peur de manquer, de passer à côté de trucs hyper profonds, intéressants. Par exemple, les conséquences énergétiques du développement de l'IA, des trucs écologiques, tout ça, il y a des vraies préoccupations à avoir, vous voyez. Bon, et je suis noob là-dessus. Bon. Je résous tous les mots croisés juste en un clic. Alors, bien sûr, on va me dire. Est-ce qu'on va nous dire, Marie? Oui, mais alors, du coup, si c'est pour que l'IA fasse les mots croisés, ça va rendre les gens cons. Alors, non. Dans la vraie vie, non. Parce que quand tu fais des mots croisés, c'est pour kiffer. Tu regardes pas la solution. La solution, elle est 8 pages plus loin dans ton bouquin de mots croisés. Faire des mots croisés, c'est pas ton kiff, c'est pas d'avoir la solution, c'est de chercher des mots. Donc, avec ou pas ChatGPT qui pourra t'aider, tant mieux s'il peut t'aider, c'est cool. Tu pourras même le prompter en lui disant « Donne-moi un petit indice sur le 8 vertical. » Sans me donner la réponse, donne-moi un indice sur le 8 vertical. Oh, ça, j'adorerais faire des mots croisés comme ça. Le bouquin,
Et soit tu sais pas, tu sèches, soit tu demandes à quelqu'un, voilà, qui sait pas non plus, soit tu regardes la soluce. Bon, bah, grâce à ChatGPT demain, tu pourras lui dire, donne-moi un indice, sans me donner la réponse, pour que ça m'aide à trouver le 8 vertical. Oh, ce serait génial, voilà. Et puis, bah, ceux à qui tu dis, amis, ennemis de lien, bon, bah, les mots croisés maintenant, ils vont être faits par les IA, donc l'humain va devenir con. Bah, non, parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire ces mots croisés par l'IA. Personne va le faire. C'est déjà des gens qui font pas des mots croisés, tu vois. Donc, bon, ça peut que aider. Dans la vraie vie réelle, le fait que ChatGPT sache résoudre les mots croisés, ça va juste permettre à des gens qui kiffent déjà les mots croisés, qui sont déjà bons en mots croisés, de dire, tiens, rends-moi encore meilleur. Dans les autres cas, ça n'existe pas. Faut pas faire des conjectures. Ça n'existe pas. Je fais le passe-plat, nous dit Tom. Ah, c'est gentil, mais je sais pas pourquoi je vois pas ces commentaires à Loïc. C'est relou, parce que tout à l'heure, j'ai vu des commentaires LinkedIn, donc normalement, ça marche. Oui, Vincent, tout à l'heure, il était sur LinkedIn. Mais ça marchait bien, je les voyais. Pourquoi je vois pas ceux de Loïc? Il est peut-être en privé dans son LinkedIn. Loïc vient te répondre sur LinkedIn. Ah mince, ben je vais aller voir LinkedIn en même temps. Voir le profil, il est premier fait des lives sur LinkedIn, YouTube et des événements. Frugo, je vous mets le pied à l'étrier. Mais ça, c'est son... sa bio, ça. Fondateur, ça fait résumer des bouquins. Fait résumer ses bouquins par ChatGPT. Ah, il vient de me dire ça. Bah, c'est bizarre, hein, du coup. Faut pas utiliser l'IA, mais faut utiliser l'IA. Bien sûr, Twitch. Ouais, bien sûr. C'est gentil, s'il a 2 minutes, c'est cool. Mais là, on est en train de voir des choses. Je pense que c'est quand même cool. Bon, les amis, pendant qu'on cause, là, je sais pas vous, mais il y a quand même ChatGPT qui fait mes mots croisés. Ah, il y a des trucs qu'il trouve pas. Le trophée remporté par l'OM contre ce club de Milan en 93 a été exposé dans Nous sommes foot. Réponse AC Milan. Non, il s'est gouré. Il s'est trompé. Le trophée, c'est pas l'AC Milan, le trophée. Ville d'un empire évoqué dans la galerie de la Méditerranée. Ah, il a du mal, hein. Sur les trucs vraiment purement intellectuels, d'associations d'idées, d'associations de choses que tu sais culturellement, tout ça, machin. Et il est un peu à la ramasse, là, ChatGPT. Fleur ? Ah non, fleur. De rocaille ou en massif, elle arbore le jardin des migrations, métal en exposition. Quoi ? Fleur pour la première partie. Bon, il comprend que c'est un mot croisé, mais il rame, hein, pour les mots croisés. C'est bien, ça nous laisse, vous voyez, ce petit côté d'intelligence humaine. De pouvoir faire des relations entre des idées, des concepts, des trucs, des mots mis bizarrement qui vont déclencher chez nous. Bah, je suis pas mécontent de voir que les mots croisés, ça le plante complètement, ChatGPT, mais je trouve ça logique. Voilà. Parce que, je sais pas, genre de truc, les mots croisés, c'est pas des calculs, vous voyez, ou la probabilité. Mots croisés, c'est le talent du mec qui t'a posé une question, mais de façon alambiquée, bizarre, avec une allégorie qui représente un truc, mais en fait non, puis toi tu dois puiser dans des trucs de culture ou d'association d'idées. Je pense que c'est le test, enfin c'est un des tests absolus pour une IA générative, je pense. Donc c'est cool s'il se plante, enfin c'est cool s'il se plante, c'est pas cool, mais c'est logique qu'il se plante. ChatGPT dit qu'il ne voit pas après 2022 sur le Muséum de Marseille, Vertical 3, pas trouvé. C'est rigolo d'avoir essayé. Bah oui, oui, c'est bien. Et je trouve que ça nous apprend des trucs en plus. Ah là, pour le coup, mots croisés, trucs tordus, associations d'idées, allégories. Oh, là, c'est chaud pour une IA générative. Hein. Surtout si c'est des allégories qui ont été vraiment écrites dans des mots croisés. Personne ne les a mis nulle part avant, quoi. Donc c'est chaud. Mots croisés, problème de maths. Ah, il y avait le truc de ça aussi. Après, je fais 2-3 tests sur mobile, si vous voulez bien, les amis. Image du film. Qu'est-ce qu'il y a comme film? Terminator. Ah, comme ça, on est dans le truc. Non, je veux une scène du film. Alors, je vais pas mettre un truc avec des flingues parce qu'il risque de pas vouloir. Oui, mais il y a que des flingues dans Terminator, Renaud. Je voudrais une scène de film. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais que des films violents. Je voudrais une scène de film pour voir s'il me trouve quelque chose. S'il comprend d'où ça vient et ce que c'est. Je voudrais trouver une scène un peu iconique. Alors là, c'est carrément le réalisateur qui discute avec les acteurs. Ça va pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme scène de film
Je voudrais vraiment une image tirée du film, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je pourrais trouver? Ça. Allez, on essaye, on essaye, on essaye. Ah merde, c'est web, c'est encore un truc qui va pas. Je trouve, faut que je trouve une image en JPEG en plus, c'est chiant. C'est relou. C'est, vous m'avez compris. Le Parrain 3, non, je préfère un autre, moi. Ça, vous pensez qu'il peut me le trouver, ça? On va essayer. Hop, hop, allez. Tu sais. Quelle est cette scène de film? Ah, je lui dis rien dans les prompts, hein. Vraiment, je le mets dans la misère la plus totale. Hein. Ah, bah ça bug. Je bug. Je vais ouvrir une nouvelle conversation. Voilà, ça va marcher. Oh là là. Attendez, parce que là j'ai un gros bug, apparemment il a tout pété, il est tout déconnecté, Pépère. Alors du coup, je vais tout redémarrer et puis on va réessayer avec une nouvelle instance parce que là il commence à me parler en anglais, il comprend plus rien, il voit plus mes images. Allez, je refais un essai. Parce que ça pourrait avoir des applications pratiques aussi. Ah non, je l'ai planté. Bon, bah écoutez, on va arrêter les tests sur PC, on va aller sur mobile parce que mon chat GPT, il est dead. Il est déconnecté, visiblement. Un Sudoku, j'y ai pensé aussi, Sudoku, mais je trouvais que les mots croisés, c'était beaucoup plus dur que le Sudoku. Sudoku, je pense que en cogitant le truc et par probabilité, tu finis par, je sais pas. Je me dis que c'est plus facile pour chat GPT de résoudre un Sudoku qu'un mot croisé. Loïc via LinkedIn contre de l'intelligence artificielle. Oui, je sais, mais bon, ça me fait bizarre. Pourquoi dire, faut lire ça. Il y a quoi dedans? Un schéma compliqué. Il comprend aussi. On a fait la planche anatomique tout à l'heure. Il comprend aussi des trucs. Ah, je voulais tester avec le téléphone, tiens, les amis, parce que moi, je trouve ça rigolo, l'idée du téléphone, parce que en gros, tu peux te retrouver, je sais pas, dans la nature. Tu as une bestiole, de la photographie, ou un arbre, une plante, un machin, et peut-être ça fonctionne. Ou tu es dehors, tu es en train de bricoler, hop, ta caisse à outils, c'est quoi ça? Vous voyez, ou ton intérieur, ou des trucs comme ça. Alors je voudrais tester comme ça des trucs en vrai, sur téléphone, en live, quoi. Donc là, tout à l'heure, j'étais sur TikTok, donc on s'en fout. Je vais essayer de pas vous montrer mes trucs perso. Tiens, GPT. Voilà. Et ben justement, le TikTok que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, de Fred Canvey là, il y avait un truc qui me plaisait bien dedans. Non, alors je voudrais pas prendre une photo, je la refais. Une photo de ma bibliothèque, celle-là est très bien. Vous voyez, j'ai pris la photo où il y avait un truc, j'ai pris une saisie d'écran de là où c'était écrit à la main dans le TikTok qu'on a vu tout à l'heure. Dis-moi. Ce qui est écrit. Là, c'est de l'OCR quasiment. Donc, est-ce qu'il va comprendre ce qui est écrit là dans cette photo? Renaud, voici ce que je peux déchiffrer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une photo, c'est vraiment un saisie d'écran sur mobile d'un TikTok dans lequel on voit un truc écrit à la main. Parfait. La fin est tronquée. Ah oui, effectivement. Oui, mince, j'ai pas tout mis, désolé. Je ne peux pas dire l'intégralité. Est-ce que ça vous aide? Très bien. Bah vous voyez. Donc là, nickel pour ça. Donc imaginez tout ce qui est décrire les alentours quand on est malvoyant. Oui, effectivement, décrypter les ordonnances du médecin, Marie-Isala, elle est bien aussi. Qu'est-ce qu'il a écrit là, votre docteur? C'est rien, une écriture de médecin, quoi. Ah, voilà. Peut-être ChatGPT, il va savoir. Les pharmaciens vont être contents, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on pourrait essayer aussi? Alors, il paraît qu'on peut essayer de faire des trucs comme ça. Alors, je vais essayer un truc chelou, les amis. Ça va peut-être vous perturber. Vous comprenez ce que je fais? Donne-moi des idées pour améliorer mon décor de live. Ça, c'est rigolo aussi. Renaud, votre décor de live. J'aimerais bien qu'ils me disent rajoute plein de choses, il n'y en a pas assez. Vous allez mourir, ce fichier. Est déjà très attrayant, mais voici quelques suggestions pour le rendre encore plus captivant. Il va te dire que tu es dans un aquarium, dit Marie. Sûrement, oui, c'est vrai que ça y ressemble. Hein. Pour l'écriture des toubibs, il faut développer un plugin spécial, je pense, oui, effectivement. Pour le rendre encore plus captivant, éclairage dynamique, investissez dans une des lumières LED intelligentes qui peuvent changer de couleur ou d'intensité en fonction de l'ambiance de votre live. Ah ouais, c'est pas bête ça. Je sais pas, il a raison. Par exemple, une ambiance détendue pour avoir des lumières douces et chaudes, tandis qu'une discussion intense. Ah, c'est pas con ça. Ça, ce serait bien. Des LED avec des lumières commandées de loin. Et du coup, je pourrais les mettre à une certaine. Ah, c'est pas bête ça. Merci, ChatGPT, t'es très fort. Éléments interactifs. Ajoutez des éléments que vous pouvez utiliser pendant le live. Ah, ça, c'est vrai, c'est bien. Il a raison. Il a vu que j'en avais pas. Comme un tableau blanc pour esquisser des idées ou un écran tactile pour présenter des éléments visuels. Deuxième idée, deuxième que je retiens et qui est très bien, plante. Oui, il a raison aussi. Bon, et je suis pas très plante, mais je devrais intégrer des plantes pour donner une touche naturelle à votre espace. Mais t'as tellement raison, ChatGPT. Il a raison, il a raison, il a raison. Bon. Alors vous allez me dire, est-ce que ChatGPT remplace un décorateur d'intérieur? Non. Est-ce que ChatGPT me permet d'avoir des idées que j'avais pas en décoration intérieure? Oui. Toujours la même chose, hein. Donc il y a une partie de ceux qui râlent contre l'IA qui disent non, non, mais faites pas ça. Faites pas ça, la photo de votre intérieur avec ChatGPT. Faites pas ça, parce que c'est nul. Tu es sûr que c'est pas parce que ça pourrait me donner des idées qui feraient que j'aurais plus besoin de toi? Plante, il a raison, non? Intégrer des plantes pour donner. Ouais, je retiens les trois premiers pour l'instant. Il a des actions chez Jiffy. Attention, s'il me propose des trucs. Touche naturelle à votre espace, elles ajoutent de la couleur. Ah ouais, c'est vrai, et créer un environnement apaisant. Il a raison. Art local. Ouais, ça veut dire quoi? Accrocher des œuvres d'art d'artistes locaux. Moi, j'en ai pas trop des artistes locaux, ils font des paniers en osier ici. La communauté artistique a ajouté une touche unique à votre décor. Ouais, ça aurait pu être une bonne idée, mais j'en ai pas trop. Étagère modulable. Pour pouvoir changer la position et le contenu de votre décor. C'est quoi? Éléments thématiques. Si vous avez un sujet spécifique pour un live, ajoutez des éléments thématiques à votre décor pour le refléter. Il a raison, ça aurait été bien. Son, investissez dans une meilleure acoustique pour assurer un son clair de votre diffusion. Il a raison. Des panneaux acoustiques peuvent également ajouter un élément de design à votre espace. C'est pas faux, il est bon, il est bon. Considérez un fauteuil ou une chaise plus ergonomique. Éléments personnalisés. Puisque votre nom est déjà mis en avant dans votre décor, non. Pensez à incorporer d'autres éléments personnalisés comme des citations qui vous inspirent ou des souvenirs de voyage. Caméra additionnelle. Une deuxième caméra avec un angle différent peut ajouter de la dynamique à vos lives. Ah, eh bien, eh bien. Ah, j'aime bien. Eh bien, est-ce que vous avez d'autres idées, les amis, qu'on peut faire sur téléphone? Parce qu'on peut imaginer plein de trucs, hein, des photos de ce que vous voulez. Je peux faire des photos de quelque chose. Hein. De quoi je peux faire une photo? Il y a plein de trucs, hein. Des petits biscuits. Ah tiens, est-ce que je peux faire ça? Je vais faire un truc chelou. Il est très bien ton décor, c'est gentil, les amis. Ils sont gentils. Gentil. Est-ce que vous connaissez ça, les amis? Je vais vous montrer un truc qui n'a rien à faire sur mon bureau, mais c'est pas grave, c'est pour rigoler. Je vous montre les bêtises que je fais.
Connaissez ce truc-là ou pas? Là, je suis pas sûr qu'il. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est. Il peut pas savoir ça. Je pense que c'est pas très connu ça. Genre, je viens de trouver ça dans une étagère. J'ai dit, c'est quoi ça? Là, normalement, il peut pas connaître. Il va avoir du mal à déduire. Hein. Il va dire que c'est un outil. Ah oui, mais il y a écrit Aspi Venin. Mince, il m'a eu. Il a écrit le nom dessus. Donc, il a cherché le nom. J'essaye de le piéger un petit peu. C'est vrai, je suis pas sympa. J'essaye de trouver des trucs pour le piéger. On crée ton logo avec des miniatures des visages de ta communauté. Ça pourrait être marrant. Il va te dire que tu es dans un aquarium quand tu prends les nerfs après les influx, te mettre au rouge. Ouais, c'est ça. Ça aurait été drôle. Conseil sur une photo de profil pour l'adapter à différents réseaux sociaux. Il est capable de te donner. On pourrait faire ça, t'as raison. Capable de te donner le nom technique d'une pièce type écrou, LED, pile 3. Ah, c'est un truc que je voulais faire. Et ça, je pense que. Il va avoir du mal. Renaud, ce que vous montrez est un dispositif Aspivenin. C'est un dispositif d'aspiration qui est souvent utilisé pour traiter les piqûres d'insectes. Est une locution latine qui signifie la cause supprimée, l'effet disparaît. Cela fait référence à l'idée. Où est-ce qu'il a vu ça? Où est-ce qu'il a vu ça? C'était écrit ça? Il y avait un truc latin écrit sur le truc? Ah oui! Sublata causa tollitur. Ah oui, j'avais même pas vu avec mes yeux. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Il est capable de donner le nom technique d'une pièce. Ah, peut-être. D'une pièce. Ouais, j'ai pas ça, moi. Un écrou, LED, pile. Ah, si, j'ai ça, regarde. J'ai une batterie. On lui donne ça? Ah, mais est-ce que c'est pas écrit dessus? J'ai une batterie de. Une batterie de. Ah, je lui montre pas ça? Oh, bah là, juste ça. Il va dire que c'est un machin noir. Ouais, on peut essayer, on va essayer. On va essayer, on va essayer. On essaye. Ah merde, la batterie noire sur fond noir, je vais pas l'aider, la pépère, là, il va juste rien voir. On essaye. Bon, mais là, c'est impossible qu'il trouve, quoi. Comme ça, avec ma main dessus. Comment voulez-vous qu'il trouve un truc pareil? Tiens, ChatGPT, j'ai trouvé ça. C'est quoi? Bon, non, mais là, mais impossible. Après, je peux lui montrer le dos si je suis pas con et je suis pas en train d'essayer de le piéger. Je lui montre le dos de la batterie. Il y a plein de trucs techniques. Il s'agit d'une batterie info lithium. Ouais, bon, ça, il a lu ce qui est écrit dessus. Généralement utilisé pour des appareils photo et caméscopes de la marque Sony. La technologie InfoLithium permet à l'appareil de montrer le temps restant des batteries. Wow, non, mais il est trop fort. Attendez, on va le planter. On va le gaufrer maintenant sur un truc simple. Ça. Oh, il y a ça aussi. Attendez. Je veux essayer ça. J'essaye tout. Là, il te dit la marque et tout. Eh ouais, mais c'est pas mal. Non, mais c'est génial. Ouais, je trouve ça super. On essaye un autre truc. J'ai plein d'idées débiles. Après, j'ai un autre truc. Si ça marche. Non, ça marchera pas. Agadez, agadez, c'est bien, je vous fais découvrir en live. J'ai ça. C'est crado, attendez. Possible. Oh, mais mince, on voit toutes les poussières sur un truc noir. Pas possible, ça. Attendez, attendez. Hop, hop. Ça, là. Ça, là. Alors vous savez, je vous en ai déjà parlé, mais j'en profite pour vous le rappeler quand même. Vous savez que il sait aussi, on peut lui donner un petit schéma écrit. Je pense à ça parce que je lui montre ça. On peut lui dire, tiens, fais-moi le code pour développer un site, pour développer un module qui montre ça en Python ou en PHP. Vous savez ça, où on peut faire un croquis sur une feuille d'un truc et on lui dit, tiens, développe-moi ça en PHP. Ça, c'est cool aussi. Hein. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. J'ai montré ça. Dans des vidéos, pas en test, mais dans des vidéos, je vais le montrer. Qu'est-ce que tu me dis? Renaud, ce que vous montrez est un hygromètre numérique. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Température 22,3. Il s'est pas gouré. Est-ce que c'est pas évident? Il n'est pas marqué température dessus. Cette température est dans une plage confortable pour la plupart des intérieurs, des environnements. Humidité 64%. C'est un niveau d'humidité relativement élevé. C'est humide là où on est, hein. C'est ce que je pense aussi, ChatGPT, ça ne va pas. Mais c'est bien, est-ce que moi, 64%, je sais pas ce que ça veut dire. Merci, ChatGPT. Demain, il va me le dire. Vous voyez ce que je veux dire?
demain, si j'avais mon ChatGPT à moi, chez moi, tout seul, je l'allumerais tous les matins si j'avais pas des données qui se perdent dans la nature. Sur mon R2D2. Et tous les matins, je lui dirais, comment ça va R2? Il me dirait, ça va bien, il fait un petit peu humide ici aujourd'hui. Et il le saurait. Il regarderait autour, il verrait le truc, il dirait, ah, tiens, 64%, c'est relou. Et là, ce serait génial. Bah, on y est. On a tout ce qu'il faut pour. Bah, le seul problème, c'est que ça, c'est centralisé et que je préférais avoir mon IA chez moi, à la maison, avec mes data. Mince, je vous montre ça, c'était pas ça. C'était ça, vous montrez. Tac, voilà. Comme le montre l'indicateur confort, 70%, l'hygromètre, oui, il a tout lu, c'est bien. L'heure, la date, etc. Oh, il est déjà 13h41. On va y aller, les amis. Le dernier test que je voulais faire, et là, je suis sûr de le vautrer, mais je suis sûr de moi, là. Là, je suis assez sûr de mon coup. Je vais prendre un papier blanc. Là, je voudrais vraiment l'embêter, là, sur un truc. Regardez ce qu'on va faire. Ah, je suis tordu. Prends un papier. Démerde-toi. Oh, c'est pas gentil ce que je fais. Vous voyez venir avec mes gros sabots, vous avez compris ce que je fais? Vas-y, débrouille-toi. J'aime bien ce test. Allez, là, il va se vautrer. Vous avez 3 pièces de 1 centime. Non, il s'est planté. C'est des pièces de 2 centimes. J'en ai pas de 1. Il s'est planté. Je suis content quand il se plante. C'est pas gentil. Vous avez 3 pièces de 1 centime d'euro. Vous avez 3 pièces de 10 centimes d'euro. Vous avez une pièce de 20 centimes d'euro. Non, j'en ai 2. J'ai 2 pièces de 20 centimes. Il a confondu. J'ai 2 pièces de 10 centimes. Ah, il s'est gouré sur tout. J'ai 2 pièces de 5 et j'ai 3 pièces de 2. Il s'est gouré sur tout. Il est pas bon. C'est dommage, ça aurait été tellement bien. Vous voyez le truc, les applications possibles de dire en un coup d'œil. Hop, là je sais dire combien il y a. Tu imagines le truc? Là, Nicops, il est foutu. On lui dit, il y a combien de triangles bleus sur cette tasse? Bim. On va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. Et on rigole, on fait des trucs. Hein. Combien de triangles jaunes? Jeudi, on n'est pas nombreux, donc on peut faire ce qu'on veut. Combien de triangles jaunes sur cette tasse? Nicops? Si Nicops est là, vous lui demandez de jouer. Nicops, tu joues? 3, 2, 1, c'est parti. Nicops contre ChatGPT. Dans la question profonde, combien de triangles jaunes sur cette tasse? Ah, j'aurais dû essayer, Régnier, tu as raison. Pardon, Régnier, j'en sais. Tu as raison, j'aurais dû essayer ça. J'aurais dû lui dire, ah, tu t'es gouré. Mais j'aurais pu tenter le truc. Je pense que oui, à la fin, il se rattrape aux branches. Mais en première intention, il s'est gouré quand même. Ouais. Faire gaffe à la fiabilité du truc. Il est capable de donner le nom technique d'une pièce, a priori, donc oui. Notice d'utilisation de ton ampli derrière toi. J'aurais pu faire ça. Ah oui, c'est vrai. T'as des pellicules. Non, mais non, c'est parce que c'est des miettes. Voilà, je fais des miettes. Mais j'ai pas de pellicule, ça va. Oui, mais comment tu fais vivre les codes que tu développes, comment tu les charges et les exécutes? Ah bah après, c'est pas ChatGPT qui fait ça, lui il te pond le code, c'est déjà bien. Malheureusement, je suis tellement néophyte que c'est du chinois pour moi. Ok, pas de soucis. Via FTP, voilà. Moi, tu te files un code PHP, après ton code PHP, faut le mettre sur un serveur pour qu'il s'exécute. Tu as combien de caillasses? C'est ça. Je pourrais te montrer et t'expliquer simplement des voilà. Je redemande notice d'utilisation de ton ampli derrière toi. Bah, on peut essayer ça. Si tu dis que les pièces de 1 centime sont en fait 2 centimes, est-ce qu'il trouvera? Je pense qu'il aurait trouvé, mais en première intention, il s'est gouré. Et mon truc de triangle jaune, là, sur la portion visible de la tasse sur la photo, je peux compter un certain nombre de triangles jaunes. Ah, tu me dis pas combien? Cependant, sans voir la tasse entière, t'es malin. Tu courbes un peu, ChatGPT, mais t'es malin. Pour le nombre total de triangles jaunes sur toute la tasse, bah, fais un essai, pépère.
Si vous souhaitez un nombre précis, je vous recommande de tourner la tasse et de compter visuellement, de montrer des photos sur toutes les faces de la tasse. Ah bon, d'accord, tu pourrais faire ça. On va pas le faire, mais voulez-vous? Je peux. Sinon, d'après cette image, je peux estimer le nombre de triangles jaunes visibles. Oui, alors après, le problème, c'est qu'on va vouloir les compter pour voir si c'est gouré ou pas. Oh, ça va nous... On se fait chier pour rien. Pourquoi on a fait ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 fois 7. 119? 17 x 7. C'est ça? J'ai bon? D'accord, Renaud. Sur la portion visible de la tasse, je compte 12 triangles jaunes visibles. Bon, il y en avait plus que ça, pépère. Cependant, on va y noter que ça représente une partie de la tasse. Donc, total, machin truc. Ouais, ouais, bah en fait, tu t'es gaufré. Ouais. Eh bien, j'aime bien. Demande-lui quelle teinte exacte est sur le mur. Bon, mais ça dépend de la photo, ça. Ça dépend de la photo. Mais par contre, je veux faire le truc de Tom. Attendez, on va essayer. Attends, il est où mon truc? Ah, là-bas. Hey, vous m'obligez à faire de ces trucs, je vous jure. Ah, je bouge même pas de ma chaise. Je valide. Le mode d'emploi de ça, je vais écrire. Juste pour l'embêter. Mais oui, il faut qu'on le triture un petit peu, sinon c'est pas un test. Faut qu'on l'embête. Je lui dis même pas ce que c'est. Donc la teinte exacte sur le mur, ça va dépendre de mon éclairage, de la photo et tout ça. Il semble que vous montriez un amplificateur avec le logo Ibanez. Bah oui, dessus. Ibanez est une marque connue pour ses instruments de musique, en particulier des guitares, mais il fabrique aussi des amplis. Cependant, il existe de nombreux modèles d'ampli Ibanez. Pour vous fournir le mode d'emploi, bah oui, mais je fais exprès, j'ai montré le côté où il n'y a rien écrit. J'aurais besoin de connaître le modèle spécifique de l'ampli. Si vous avez cette info, je pourrais essayer de vous aider davantage. J'aime beaucoup parce que ça reste ChatGPT. Voilà, il nous explique, il nous dit, eh, vas-y, eh, bouge tes fesses, et va me dire ce que c'est le modèle. J'aime bien. Voilà, et puis il m'explique des trucs derrière. Donc il m'a pas sorti direct le mode d'emploi, mais bon, au moins il m'a fait progresser là-dedans. Bon, c'est plutôt cool, j'aime bien. Bon, il y aurait 12 000 autres idées, on verra ça demain ou à un autre moment, les amis. Je vais vous abandonner ici, 13h48, il est très tard, vous avez du boulot, les amis. J'ai 12 000 trucs à faire, moi, cet après-midi. Tom, j'essaye de t'aider, de t'appeler. Promis, je fais tout mon max pour ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. C'est mieux l'image sans l'aspect flouté, bah, fais ce que je peux. Les amis, merci de m'avoir suivi ce jeudi, voilà. Tranquille, bizarre, c'est jeudi, c'est fatigue, on a fait des tests, on a eu quelques actus quand même avant, c'était cool. On pourra faire d'autres trucs demain, donc demain je ferai peut-être, je vais pas dire autre chose que peut-être, une émission un peu spéciale où juste bah, on va trénouiller dans le temps sur Twitch et on va faire d'autres trucs, peut-être des petits jeux, des séances de questions-réponses, des trucs qu'on va regarder. Bref, je vais essayer de faire un truc un peu spécial et ce sera a priori que sur Twitch. Mais voilà, au cas où vous avez envie de passer même un petit peu plus tard dans la journée sur Twitch, bah probablement, peut-être j'y serai. Jetez un petit coup d'œil. Peut-être je serai en live tout l'après-midi demain. C'est pas sûr du tout, hein, ça va dépendre de tout un tas de choses. Je vous laisse ça comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à 11h45, on sera là demain. On aura les trois questions qu'on n'a pas faites aujourd'hui. On aura toutes les actus et notamment des actus bien nawak. Bien rigolote, des trucs assez mignons à vous montrer. On verra ça demain, ce sera vendredi, on sera plus nombreux le vendredi et ce sera plus nawak, donc on va se lâcher un peu plus. En tout cas, 11h45 jusqu'à 13h30, on sera là demain, c'est sûr. Donc soyez au rendez-vous demain à partir de 11h45 sur le réseau social de votre choix, les amis. Et ensuite, je vous le dirai à ce moment-là demain si on fait ou pas prolongation sur Twitch. Pour ceux que ça pourra être, ça pourra intéresser. Ça pourrait être l'occasion de faire plein de tests de fous, où vous allez me donner des idées, on va faire des tests de malade ensemble. Ça pourrait être l'occasion de faire des jeux, de faire plein de trucs. Bref, les applications de ChatGPT Vision, je voulais vous les montrer, parce qu'elles sont dingues, et là on a ouvert une dizaine de portes, mais il y en aurait des milliers d'applications possibles, et je trouve que voilà, c'est assez bluffant. Par contre, un peu déçu par la fabrication de visuels via Dolly 3, mais on fera d'autres tests. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain, 11h45, demain, les amis, pour un live classique.
un peu nawak classique en mode vendredi, et on fera des trucs rigolos, on verra des actus rigolotes, et puis potentiellement, je vous dirai ça demain, peut-être on fera la prolongation sur Twitch pour faire des trucs un peu rigolos et plus interactifs. Voilà, c'était super intéressant, nous dit Régnier. Je te remercie beaucoup, c'est gentil, je suis content. Merci, ciao les Maninos, merci à toi Renaud, bon après-midi, nous dit Marie. Repose-toi en forme demain, je ne suis pas sûr de pouvoir me reposer d'ici demain, on va faire son possible. Bistom, j'essaye de t'appeler, promis, cet après-midi. Merci à tous les amis, bon après-midi, travaillez bien si vous êtes débordés comme moi, travaillez bien si vous n'êtes pas débordés, comme ça vous aurez le temps d'aller à la pêche, faites comme vous voulez. Et je vous retrouve demain, 11h45, les amis, pour un nouveau live sur le réseau social de votre choix. Bon après-midi, à demain, les Malinos. Tchou!